Je lui ai dit, sans rire, je lui ai dit, je regarde droit à la caméra, « Papa chéri, c'est toujours l'artiste qui gêne, c'est l'artiste qu'il faut faucher, c'est l'artiste qu'il faut déstabiliser. » Traumatisé. Donc j'avais une mission quasi secrète. Il y a qu'à assurer protection artistique après encadré. Voilà. Donc, Rolwana na banango kala. Mais tu sentais qu'on préparait déjà un Jules Kibens pour remplacer Blaise Boula? Non, j'avais fait une confidence à Papa Chéri. J'avais dit, en tant que parolier, Nabimate, parce que Lika la moto, on a appelé ça ingénieur Blaise Boula, on a sa commission Wengi à l'époque, donc Nabimana na Wengi. Donc. Lika la moto, yo. Ben oui, le secret des polichinelles. Donc voilà, donc. Et ça qui m'a fait rire. El Salvatore a eu autant la chérie naïe. À l'époque, on a eu un bara. Tokabani a solo aku. Yobo sani le passé. Nakamwende no ignore. Jibé. Et moni motindo. C'est comme. Chérie, on a eu un bara. C'est lui, on a eu un venu. Alors, quand on a eu la chérie, on a eu un bara. Et quand on a eu un ma papa chéri, c'était le boom. Parce qu'on a ce qu'on a koutani na ba master benza ya wenge na koutani, parce que moi je suis de la même de la génération wenge, génération d'âge, je veux dire. Oh, alors na koutani na ba master koutani na Werason, na koutani na ba Blaise Boula, ba Didier. En fait, bon, c'était plus l'amitié. Pendant qu'on connaissait Bango, est-ce qu'il y avait Mela dans wenge? Non, à l'époque, il n'y avait pas encore Emilia. Ok. À l'époque, il n'y avait pas encore Emilia. Est-ce qu'il y avait Toutou Kaloudji dans Wenge? Toutou Kaloudji, pas encore. Il était venu après. Alors, j'ai les choix, moi, le professeur Jules Kibens, entre écouter mon moi intérieur. Les choix entre écouter mon moi autonome et intérieur et écouter le brouhaha extérieur. Les gens qui blablatent. Faut-il que je l'écoute? Que je porte franc à ce qu'ils racontent? Yambagi dernièrement, bon, parmi les artistes Yambagi, tu te rends compte, Tokuta Ané, Mignon Abraham, un petit que j'aime beaucoup, il le sait. Et j'ai été étonné, mais ce Mignon Abraham a l'oba du mal de moi. C'est comme si c'était la bête noire, non, non, non. J'aide plutôt les artistes. Des fois, dans le Banagato, dans le studio, à 9h, si 17h, on a tel rôle à mon côté. Dans le studio, il y a au moins un homme qui m'a dit que je n'ai pas même pas que je n'ai pas de sucre. Parce qu'il y a un artiste qui a appelé le meilleur de lui. Pourtant, il y a un disque, comment il y a longuité, il y a 5 minutes, il y a 1 heure, il y a 3 heures. Il y en a qui avaient fait même 3 jours pour un solo vocal. Hein? 3 jours. Alors, il y a un homme qui a parlé. Son Excellence Alain Akwala, le cerveau bleu. Vous tapez ça dans la phrase. Mbongwe pesaka mayelete, kasi mayele pesaka mbongo. Mbongwe pesaka mayelete, Jean-Marie Lorero. Ah, Zénith. Là, la joie, occasion de travailler avec le perfectionniste Makaba, la blague de Alain Prince. Aza blague de. C'est-à-dire que, tant que tu as un wenge, des fois, tu as un simba, tu as un katika, tu as une place, tu as un place ni à Tchemou qui la fouille, bah place ni à Tchemou. Parce que, on est Wenge, Wenge a blague te. Wenge, ils ont la Wenge, mes hommes, ils ont la BCG. Wenge originel, ils ont la qui orchestre moi à blague te. Il y avait un génie qu'on appelle Makaba, l'architecte. On t'a ça la musique, on t'a ça l'arrangement, Makaba. Avec ta clavier, avec ta solo, avec ta basse. Aïe, ma clé, si on attend, on a un salaire, on a 10%. Il y a des missions pour lesquelles moi je me suis sacrifié. Hein? Il y a des missions pour lesquelles je me suis sacrifié. Grand crâne, on a dit ah, grand crâne. Mais habité tout au personne n'est pauvre ma. Ton image était tout imbaboué. Mais bien avant moi, bon le bon parce que bosanam. C'est que paye bien profiter quand ayo. Ah, faut que bapéti. Comment ni? Mais bien on s'est fait la journée. Ma comme ma père, tu l'as dit nous le ah.
Fata qui est un grand guitariste. Mais il vit maintenant à Bruxelles. Il vit à Bruxelles. Mais sur ce sal, des fois j'ai honte. Des fois, Akumi Sanga a dit, mais est-ce que je vois vraiment ce que tu dis là? Mais non. Mais comment? Comment des gens balancent à Zénith, non, il y a un coordonnateur. Balance à la martyr, sur ce sal, les coordonnateurs de la balance. Tous les ingénieurs de son sal à la balance, les plus grands, les plus jeunes, ils ont beaucoup de respect. La balance à la fikine. Le concert le plus long. Si je te dis merci, si je te dis ma reconnaissance de participer à ton émission, c'est que de bonne guerre. Ceux qui n'aiment bien mon mélodie, est-ce qu'ils n'ont adoré? Oh, adore, oui. Ils en ont une reconnaissance. La seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction de croire qu'il est réellement possible. LM Corporation est une équipe de professionnels qui met tout en œuvre afin que vos événements soient à la pointe de la modernisation. Vous avez un besoin? Nous sommes la solution. La team 4x4 équipe vos événements professionnels en passant par la sonorisation jusqu'au plus petit des détails. Pour cela, nous mettons à votre disposition mur de LED, location d'instruments de musique, jeux de lumière, matériel de sonorisation, prestations DJ, prise de son live pour revivre les meilleurs moments de votre événement, en voiture, à la maison et partout ailleurs. Pour plus d'informations, la SAS LM Corporation vous accueille dans ses locaux au 30 bis rue de Mipapin, 91240 Saint-Michel-sur-Orge. Les détails créent la perfection, mais la perfection n'est point un détail. Laissez-nous aux commandes de vos manifestations pour un résultat qui dépasse vos attentes. N'hésitez plus, prenez rendez-vous dès maintenant pour un devis personnalisé. Congo Mokilina équipe naye balance cagnotte ensemble et dans nos familles. Na se yaba vidéo nyonso ya Congo Mokili au komona lien na barre ya description au cliquer na lien wana et ko bimisela yo page oyo ya cagnotte place ya je soutien au sungi bande konayo ensemble et dans nos familles. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de BWAD Télévision. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois de cette année 2021, merci infiniment de nous avoir choisi et sachez que vous avez fait un très bon choix. Le journalisme consiste à poser des questions et en construire un raisonnement. C'est le cas pour ce soir. Nous avons le réel plaisir de recevoir l'artiste Jules Cubens, le professeur qui évolue dans Wenge BCBG, l'orchestre cher à papa chéri Bin Adam Moto Pamba. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous assuré qu'il réalise cette émission L'homme selon mon cœur, on l'appelle Simpson et scellé. À la prise de vue, nous avons celui qui est un phénomène, Imak Makengo, le phénomène. À l'assistance réalisateur, nous avons Patrick Balou. Droite Nanga Negaba Fossette, gauche Nanga Rihanna Domingos, ainsi que Kapriski Lokwa de management. Il arrive déjà et ça me rassure. Quand mon prof dit c'est Nayou et Nazoya dans 3 minutes, tu peux annoncer. Je dis non, banda. Parce qu'on est dans mon Nazoya wana et rassurena. Tel est notre slogan. Bon, comprendre que Bakuturu, Kamakuru, Kumbabasuki, ils ne se feront ni tort ni dommage. Système à jardin, ils ont continué toujours. Nous sommes là. Et Michel a patrimoine à diaspora. Et que là, t'es l'homme yamoutouté. Si on a dit qu'il faut contredire, on a dit qu'il faut le voir, on a dit qu'il faut comprendre que ça copte. Puis, monsieur, on a dit qu'il faut tout. Nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Voilà. Il est avec nous. Il est là ce soir. Bonjour, bonne année. Le professeur Jules Cubens. Merveille. Bonne année à Doyou et toute l'équipe technique. La carrière va comboter. Mais je sais déjà voir que c'est une clip extraordinaire. Ok. Donc bonne année à tous les fans, de la diaspora, que dans l'espace géographique RDC, tous les fans de partout, tous les fans, ceux qui affectionnent tant soit peu ce que je fais, ou même ceux qui ne m'affectionnent pas, ou ceux qui pensent que voilà,
nous ne sommes pas à la place qu'il faut. Bonne année à tout le monde. Voilà, que cette année 2021 soit faste, pleine de bénédictions, succès, réussite. Et surtout dans ces contextes difficiles, la Covid, voilà, toujours toute la confiance en Zambé. Respectons quand même les règles, les distanciations. Et voilà, je souhaite vraiment qu'il y ait moins de pertes en vie humaine. Voilà. Prof, cette émission, c'est un vrai moment d'information. C'est un moment de divertissement aussi. Mais c'est un moment où nous refaisons le monde hein, avec bonne humeur. Mais il y a des coutumes dans cette émission. Une manière pour vous de jurer, soit de promettre que vous serez sincère durant toute cette émission. Ben, on se doit des lettres parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous connaissent, qui connaissent aussi notre côté caché. Donc, je me dois naturellement d'être très sincère dans cette émission, dont je suis fan déjà parce que je vous suis religieusement depuis des lustres. Ok. Voilà, merci infiniment. Durant cette émission, tous à la bilingue pour comprendre la réalité. Jules qui baisse, Jules qui baisse, Jules qui baisse, Jules qui baisse. C'est vrai que le style de l'émission, il n'est pas là pour répondre à Nabat. Non, ce n'est pas cette émission. Mais aujourd'hui, au Beta Masolo, et Trozala, la réalité est belle. Mais je vais supposer une chose. Mignon Abraham, en 2020, au Legaki, tu as cité le nom de Michel Baz. Michel Baz m'a appelé pour me dire que Ozala n'aille jamais en avion Ozala à Paris pour cause au Mabou. Il reconnaît que Azouaka Nini Nayo pour qu'a travaillé na studio. Oui, Azouaka en gros c'était dans de très bonnes conditions. Tina producteur na nengi kenda. Mais yo na Paris n'aille Bozonga parce que tu avais dit que Bozonga n'est là encore na Michel Baz. Il y a Michel Baz, Michel Baz Abi a demandé une genre à musique au tobe, t'as n'importe quelle image dans le moulin que ça. Non, Kokamoti. Alors, je devrais faire comprendre Binango parce que l'artiste Michel Baz s'est senti lésé parce que c'est aussi un arrangeur à Tikala Kozalana Yote Mini Abraham par rapport à ma propos au Lobak. Comme je ne vous contredis pas ici, alors à Betela Bissot réalité, mais sache que sur Betelo, il y a un côté que Moutoumoko a se sentir lésé. Ka Beina Lobi qui est loco, bon, Tikala Kozalana Yote, pour Yote Ndotangi Kombonae. Kozala ki na ye, na avion, na Paris, bozonga bo enze la moro na ye, abonzono ya bi a ye bi angote. Yo na Paris, otikala, kozala te. Non, ça me tente là-bas que Michel, là te l'on yamoutoute, et là te l'on yamoutoute. Je dois faire le travail pour ne pas léser les autres parce que la chronique musicale doit vraiment se faire dans sa vraie définition. Prof. Yes. C'est vrai que nous allons remonter la langue de Molière, mais également nous allons aussi parler la plus belle langue de l'Afrique, hein, qui n'est rien d'autre que le Lingala. Jules Kibens, dans BCBG, Jules Kibens ose la présenter comme artiste, ose la présenter comme mystère, ose la présenter comme... problématique, ose la présenter comme quelqu'un de rigueur et pour les autres quelqu'un de méchant. Mais non, ensemble, on a macabre au lobby. Pour y ben ni niango te reboaka, ni niango érotique là, pour que réalité batouba comprendre un mot. Ton histoire dans Wenge BCBG, comment est-ce que tu as intégré Wenge BCBG et ton histoire aussi avec Papa Chéri Jules Mpiana? Ben, mon histoire, c'est que j'étais encore à l'université, à l'Académie des Beaux-Arts. Je profite de l'occasion pour saluer tous les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, les DG, et tous mes profs, les anciens profs qui sont encore là-bas, et mes anciens collègues aussi qui sont partout. La piste est en bonne année, donc j'étais encore étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. Et à l'époque, Nazaro va dans un quartier royal. Donc ça deux pas, quelques encablures de l'Académie des Beaux-Arts. Du coup, j'allais à pied. Il y avait un Makolo, Kachikamo au commandement, Rai, au commune à Beaux-Arts. Et donc, voilà, Nalingangi Ndoule, depuis au moins en Anga. Je me rappelle toujours que je ne suis pas natif de Kinshasa. Donc, depuis Nazarana arrière, bas Congo, donc Nalingangi musique.
nous avons une église, nous avons une école, nous avons un événement dans cette école. Donc, dans la musique, vraiment. Dans la province. Oui, encore dans le Bas-Congo. Ok. Comment on appelle, dans le Bas-Congo central aujourd'hui. Ok. Voilà, dans la salle d'études primaires dans Makuna, à Botamakuna, études primaires, secondaires, okay. Dans les territoires de Louosi, plus précisément. Oh. Dans Mboka, mission catholique, moi, bien à Mangembo. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi, okay. Et j'ai fait toutes mes études jusqu'aux humanités. J'ai fait des humanités pédagogiques. Et vu que j'avais des prédispositions en dessin aussi, c'est-à-dire que j'avais dessiné depuis bon, moi, ma dessin, mon père, à Betanga, mais Simbaté. Alors après, il y avait un prêtre à l'époque, pour Zaholo Bakeno, il y a une école à l'époque. Il y a une école qui s'appelle Saint-Luc. Quand les arabes Saint-Luc, vous allez comprendre, j'étais tout petit, mais un jour. Alors, et j'ai continué à exercer ma prédisposition dont on a à dessiner. Mm-hmm. Et puis voilà, tant que ma cille ici, le professeur Kinzo nous dit que notre belle baïbé artiste, avec le ministre, avec le conseil à la présidence à l'époque du maréchal Mobutu. C'est les musiciens de Los Niquelos qu'on appelait Zato à l'époque. Alors, ma génération, Bolimo Yanzambe, Batou, Baibi, Los Niquelos, Bobiso Petra, Iba, Mike, mais bon, voilà, Yem, Talongo, Langana, Bakongo, à mes mains, on a dit ça, pendant qu'on s'inscrivant, en fait, paix à son âme, il nous a quitté ça fait des années, inscrivant à l'Académie des Beaux-Arts. Et là, dans l'Académie, toi qui viens orchestre Nabiso Abea Musica, toi qui viens orchestre Nabiso, je salue Joyce Akwamba, on a eu le leader Nabiso à l'époque, orchestre Nabiso Nabosa. Et puis dans Royal, toi qui viens orchestre Nabiso La Remesse. Bah j'ai quoi après Baléka, pour un pays là, bah c'est gain mignon, puis Baléka en orchestre on a. Dans celui bah nous sommes dans Royal, nous sommes les lots bah commis bah grands hommes d'affaires, bah Dario Mulongo à l'époque, bah d'ailleurs membre orchestre, bah Jojo Mulongo. Bah Gigi Moulongo, donc à l'époque, tu as une orchestre. Et dans cet orchestre-là, le jeune frère, il y a Papa Chéri Azagina Kati, fiancé Malou que je salue, qui est au Canada, et Azagina accompagnateur. Accompagnateur, et Azagina est gardien d'Abisso parce que je joue aussi au football. Tu as une équipe dans Royal. Donc Azagina en même temps gardien, et puis Azagina qui est accompagnateur d'Abisso. Tant que moi, ma prestation dans la vie, tant que moi, ça point en aïe, ça ligne dans un ça va voir, dans un ça va arrangement, dans un ça va partition à lui. Non, c'est pas possible. Mais tu vois, amis, si. Parce que de mon vrai nom, c'est pas Jules Timin, mon vrai nom, c'est Ferdinand. Ferdinand, Timba, je suis jumeau, je salue ma soeur jumelle. Timba, Ferdinand, Timba Makis. Alors, on a Royal, Naemba, grand frère dans la Paris à l'époque déjà. So qui n'a canissé, bolingo yanga na vivi. N'a canissé, toli hoyo, Jules qui ben sape sa kinga na Paris. N'a la boi qui n'a grand frère na Paris. Mais ma fan tu ya, na Royal, va habiter comme moi na y bonga na yo. Wow! De bongi na yo, na habiter, n'a Ferdinand, bosso, il qui moula y boka tata Freddy, va mi rien. Yo fora Jules qui ben. Oui, tu calapé. Alors, fiancé malo, mona ge, non. Un mouton à génie. Il faut la présenter pas grand frère. Non. Et à l'époque, Wenge Musica, tout feu, tout flamme, bon, tu vois, ça moulolo. Mais ce qui est orchestre, tu vois, en fait, tu allais qu'au bout des bangos un peu, quoi, tu vois. Tu vois, on a la bandale, tu vois, la kalina, tout ça. Mais bangos, tu vois, 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 tu donc voilà. Et tellement, tu vois, un jour comme ça, El Salvatore ayo ta la chérie nae. À l'époque, on y mba toka bani ya solo aku yobosani le passé nakamwa ndengo idore jibe yo moni motindo si comme chérie ayo mba serona tsaki a venu mo. Alors quand on ta la chérie on va dire que na wera so. Une fiancée présente ma non au pena donc il y a des simindoules. Dans mon fond, voilà, tout ça la connaissance. C'est un peu long, mais bon, tout ça la connaissance. Bon, ça va, c'est très beau cette histoire. Et voilà, donc, on a fait, bon, il faut beaucoup, il faut un chic, donc, il y a un chic, donc, nous, les gars, en mes heures perdues, je fais la musique,
Mais j'étais dans mes syllabus, j'étais dans mes tableaux, j'étais dans... Moi, j'étais plein, plein de ratandoulé. À un certain moment, moi, tentation, quand t'as wingé, y'a qui? Ah, parce que tu as collaboré dans ex-musicien, enfin, défunt, ex-musicien et défunt musicien, moi, à wingé. Y'a qui n'a touché Gombe, dans Royal. Mais c'est qui n'a la remesse. C'est quoi ça qui est très bon guitariste. Blaise Combo a couffé un accident de l'ancien. Alors, tant qu'on a qui est refroidi, ça, il y a un on a continué à chic dans quoi. Sincèrement, tu avais eu peur par rapport aux rumeurs de sa mort, pour être sincère? Non, mais voilà, tout le monde pense de nous que nous sommes des obscurantistes, nous sommes des... Nous flirtons avec le maraboutage, tout le monde le dit, hein, ça se dit. Et même des fois, si on a expliqué, bah, tu n'as rien, bah, non, ta longévité, ta wenge, et comment est-ce que tu es resté fidèle, comment est-ce que tu as toujours la confiance, ma chérie. Ah, tu donc, tu es belé, tu es convaincu, quoi. Mon des ténèbres, moi, comme ça, dans mon bon côté. Donc voilà, nettoyer, bah, papa chéri, et puis voilà, au fil des ans, on a continué à fréquenter personnellement. En 91 déjà, bon, tout ça, ma première rencontre artistique na biso, où parce que Ngai, Naza, vraiment, on a prédisposition mon cours incroyable. On a commencé à nous amener ma casse parce que Naza là qui déjà à l'époque, parce que défunt oncle Nabiso, père son âme, Monsieur Makitu Sherif, c'est un ancien musicien aussi de Touzaïna. Donc, ils étaient musiciens ensemble à l'époque avec le grand Chimpaka Roxy. Oui, Roxy Chimpaka. Roxy Chimpaka. Oui. Et à chaque fête de fin d'année. Je salue, il est maintenant en Belgique. Voilà, Sali est vieux. Azoué, ma solo, non, le bas. Azoué, moi, si n'a pas, et pas n'abissons en royal, et plutôt fêter ensemble. Et moi, je lui ferai donner mes mélodies parce que Azoué, comme Adja Banzembo, depuis Azoué, comme Adja Banzembo. Azoué, ferai donner ma mélodie à lui, mais c'est très intéressant. Maintenant, tu sais que non, Kolingate, Onkla, Yo, Kake, tout sur la musique peut-être en fâché quoi. Après Viroxy a adopté maintenant normalement qu'il n'est pas naïf na yolo. Waouh. Tout travaillé. À l'époque déjà. Oui. Travaillé avec quelqu'un comme Roxy. Roxy Chimpaka, le grand Roxy. Alors à partir avant normalement qu'on aiguisé oreille nanga, ils avaient déjà vraiment sensible, ils avaient une sensibilité artistique à ma casse. Dans une chance à travailler avec Viroxy. Et tant que côté nina, mon papa chéri, c'était le boom. Parce qu'on est ce qu'on a côté nina, bah, master, bien ça, y a Wenge, na côté nina, parce que moi, je suis de la même, de la génération Wenge, génération d'âge, je veux dire. Oui. Alors, na côté nina, bah, master, côté nina, Werason, ah, Werason. Na côté nina, bah, Blaise Boula, bah, Didier. En fait, bon, c'était plus l'amitié. Alors, na côté nina, Burkina Faso. Parce que t'as un côté où, enfin, na commis na milieu Wenge. Alain Makaba a na poto. Kutana Burkina Faso. Burkina Faso, c'est un très bon guitariste, je le salue. Très très bon guitariste. Tout le monde travaille. Na FCK, nous, on a travaillé déjà avec Roxy. On a travaillé déjà quelques titres, puis on a Shockstar. On a travaillé quelques titres à l'époque, puis à son âme, ben y'a ma beaucoup de ça. Alors, on a fait un chic. On a fait un gaz, on a parlé, on a car, mais. Alors, si je dois me rattraper dans la présentation, est-ce que je peux aussi vous présenter comme un parolier? Oui, j'ai cette prédisposition. Alors, cette prédisposition-là, il y a aussi vraiment, depuis mon jeune âge, mon grand frère que je salue, qui joue au clavier, mon grand frère biologique, donc okay. Fabien Kelani, je l'appelle maestro. Maestro okay. Fab. Pas Fabrias, mais lui, il s'appelle Fabien. Mmh. Donc, c'est lui qui m'a initié un peu à chanter dans la gamme. Il jouait à l'accordéon et moi, j'ai chanté. Accordéon, bah, qui m'a mis bien monté. Et là, on va mettre à la bruit. Il jouait à l'accordéon, moi, j'ai chanté. Il jouait à la guitare, il jouait au clavier. Donc, on a des gens comme ça. Les puits dans l'intérieur, les gens comme ça, déjà bandé. Donc, viens là, à accompagner un accordéon, on a comme ça, déjà bachant. Donc, voilà. Je choque ça, on a ça, la paix, connaissance est belée. VDF que je salue, VDF de FAO. De FAO. Que je salue. Il est à Kinshasa. Oui, VDF. Bon retour, on aura le temps. Et on a l'époque, on a besoin d'un dépôt, donc voilà. Moi, ils sont les amoulaïs, est-il que papa chéri, Zagi, bon, tout le monde travaillait. Et puis, j'étais à l'aise comme un poisson dans l'eau parce que musique, vraiment, ça coulait dans mes veines. Je travaillais. Non, non, moi, t'es mimi. Non, on sent. Pourquoi prof?
Ah, c'est un mystère. Hein. Bon, pas mystère, mais en fait, on a distingué l'Académie des Beaux-Arts. On a gradué, parce qu'à l'époque, il n'y avait que le premier cycle. Mais comment le deuxième cycle? Mais à l'époque, Zaki, trois années de graduat. Donc, je suis gradué en art plastique, option peinture. Je suis un artiste peintre. Okay. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et voilà, on a distingué que j'étais parmi les quatre meilleurs de toutes les promotions à l'époque à l'Académie. Et on était éligible, tout comme ma prof assistant. Okay. On comprend. Donc, à partir où on a déjà même mes professeurs, le professeur Botem BP à son âme, Akoufa, grand peintre, Zaobé, on a déjà professeur. Parce que dans l'auditoire, on a vu surtout dans Mastamon, et Doudou là, à quoi j'ai perdu de vue, j'espère qu'il va bien. Tout ça, qui vient là, Zaobé, on a vu surtout ma prof. Déjà en académie. Et na Royal Père, ah, mais non, à distinguer, parce que dans la collation, on a un master en Baya, un master Royal, dans la collation, on a à l'époque, il y a DG, on s'appelle ça un diplôme, lui, maître Liolo. Okay. Alors, un master Baya, t'as la distinction, un master Père, ah, t'es Yofo, qu'un prof. Parce que Yofo, c'est l'assistant, effectivement, on a postulé qui pour comme un professeur assistant. Et tant que, bah, il y a ça, l'éviction. Éviction à maître Liolo, mais qu'on remplaçait, on a déjà intérimaire, on pouvait prendre des décisions. Et voilà que, voilà, après, on a contrôlé, on a bien à Wengé, bien à Papa Chéri, qu'on travaillait. Est-ce que. Avant même que. On a basé ensemble. Oui, oui. Est-ce que. C'est ça important pour Yibaka à l'époque, basé ensemble. Ensemble, voilà. Là, tu n'as pas intégré Wengé dans l'ensemble, mais tu es déjà avec eux aux Arabes. J'étais avec eux dans les sillages, donc déjà, la question de Tovalina Yoboué. Est-ce que, pendant qu'on était Bango, est-ce qu'il y avait Emelia dans Wengé? Non, à l'époque, il n'y avait pas encore Emelia. Ok. À l'époque, il n'y avait pas encore Emelia. Est-ce qu'il y avait Toutou Kaloudji dans Wengé? Toutou Kaloudji, pas encore. Il était venu après. Okay. Toutou Kaloudji, pas encore. Et Manda Chante? Il y avait Robert et Kokota. Ok. Manda chante, Tebalaming était parce que juste après, je pense, à distance d'un hic. À l'époque, on a collaboré avec Papa Chéri, il y avait Robert et Kokoto, animateur. Ok. Voilà. Il y avait Atakchan, il y avait qui, même Marie-Paul, je pense pas. Oui, Azalaki, mais bon, tout ça, la connaissance nous a été. C'était quelle relation on a collaboré avec Papa Chéri? D'abord, parce qu'en fait, ma coïncidence est belle. Okay. Mon défunt oncle, auquel je viens de faire allusion, le vieux shérif, était aussi, ils avaient fait la connaissance, ils priaient ensemble, en fait, avec la tante, la défaite tante et à Papa Chéri, à Koufan Accident, Zéla Bandoulou, ils priaient les gens ensemble. Alors, ma coïncidence, ils avaient qui, ma casse. Donc, il y a déjà, et puis, ma famille, ils ont comment qu'il y a moi, ma affinité. Et donc, ils avaient une relation beaucoup fraternelle, amical et puis voilà et comment qui artististe après parce que il y en a combien qu'on proposait bah œuvre non mais non moi je suis alors comme Naoutaki Brazzaville donc Awamuzia Koti il y avait Afdel Koti qu'on a payé je sortais de la guerre entre président Sassouna président Lissou Bappé à son âme la zone Awa donc a maigri dans les déjà demi donc a maigri j'ai fait 2 mois dans la guerre à Brazza. Et un moment de désolation, un moment de tristesse, c'est là que j'ai mis Pessa, la Mkaboué, Kakoukouma, Kokouma, Kaka, Kokouma, Kaka. Et puis voilà. Et on a présenté et que nous, voilà, je peux être utile aussi. Ok. Tu as quand même mis que les Tobacco Pessa Pé, Nzimbo Moko, il a apprécié à Yembi. Oui, d'ailleurs, on a raconté à l'Opara, wow. C'est une émission d'ailleurs. Oh. Bimi. Ouais. Pour une première fois, musicien de Tolobara, dans 4 orchestres, il dit ça. Mais pourquoi ils ont un tabou pour les autres? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas naturels. Moi, il y a Bissot. D'abord, un, Naoïf Sagenga n'a pas jamais été dans la carrière. Jamais n'a été dans la carrière. Parce que c'est une œuvre d'esprit. Il y a des gens qui ont été dans la carrière. Il y a des gens qui ont été dans la carrière. Il y a des gens qui ont été dans la carrière. Il y a des gens qui ça, c'est un. Et puis, il y a des gens qui ont été cercle. Yawengi, Nabimate, en tant que parolier, Nabimate parce que Lika la moto, on a appelé ça ingénieur Blaise Boula, on a Zaki Mission Wengi à l'époque, donc Nabimana la Wengi. Lika la moto, Yayo. Ben oui, le secret des polichinelles. Voilà, donc. Et Zaki Narata Wengi, et puis il fallait la salle en haut parce que. Ma soleil a ébélé. Ça veut dire qu'il fallait la paix sanet, si moi, Mbekamo, Boye, parce que on a eu deuxième voix. La deuxième voie pour nous déboulonner ingénieur, c'est une facilité.
Vous avez facilité. En plus, ma souris a mis les dents au Je suis parti à Brazzaville. J'ai commencé à travailler dans une agence de communication à Brazzaville. Ok. Parce que je n'ambitionnais pas à l'époque dans Kota Wenge, donc moi à Kébraza, je commençais à travailler avec son excellence Alain Kola, qui avait quitté une agence de communication qui s'appelait ICC. Ok. Et donc j'étais le créatif, concepteur de logo, c'était dans mon domaine de prédilection, la peinture. Alors, travailler qu'on a, j'ai fait la connaissance de la fille du président Lissouba, qui s'était bien intéressée à moi, et il m'a engagé également à l'époque au comité de privatisation, parce qu'il fallait vulgariser les concepts, qui était un nouveau concept, économie en boca, privatisation d'entreprise, il fallait ça, illustrer, on a bande dessinée, tout ça, tout ça. Mais entre-temps, chaque fois que je venais à Kin, Nazaru, il y a toujours, beaucoup de la papa chérie. Donc, ils venaient à Brazza, chaque fois qu'ils venaient à Brazza, Wingé, musique en ensemble. Okay. Donc, ce sont comikata. Donc, on habite déjà à Brazza, on a tiba au Kenya. On peut comprendre que la chambre, le destin décide. Destin va dans le bindao. Destin va dans le bindao parce que, voilà, j'avais dit que je me voyais déjà candidat potentiel parce que j'avais du potentiel. J'avais un potentiel énorme que même Didier Massé, là, que je salue, Ngwankazi. Alors, j'ai remarqué que, non quoi mystique. Et ça, il y a tout bêtis, nous, les cils, et puis, fanatique, il y a une basse. Ce qu'on a dans le ciment empli, il y a Didier Massé. Donc, à fois, tout, il y a un monde. Au niveau, Didier Massé, les grands kweki, Didier Massé, tout, il y a Master, Simba, il y avait Simba. Est-ce que Nawenye d'ensemble à l'époque, à part Jubim Piana, c'est vrai, je comprends que vous étiez très proche, hein, mais à part Jubim Piana, est-ce que vous avez aussi un moment de travail, exemple avec Weranson, Prince Alain, ou Blaise Boulabon, là on parle de Wenge dans l'ensemble, à part Wenge BCB. Bon, j'avais fait focus sur Jimmy Piana, parce qu'il y a un côté sentimental, il y a une relation déjà qui avait déjà pris forme depuis les premiers jours qu'on s'est rencontrés, avec nos familles qui se connaissaient, voilà, donc j'avais fait focus beaucoup plus sur Jimmy Piana, et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé. Hein. Vous savez, Wenge, il y a un milieu, il y a un cercle. Cercle est très très fermé. Alors, si on dit un cercle, on a un cercle qui est valable. Et on a dit dans le sens que ceux qui font tes alliés, ils n'arrivent pas au président Weranson, ou bien fait bon. On a un vendre à Bango, on a un vendre à Adolphe, on a un vendre à Blaise Boula, on a un vendre à Placement. Mais on a un mission, on a un vendre à Placement. Et leader à l'époque, on pousse à la bon, on a déjà, on a un parce que déjà, on comprend un piano, il y a un vendre à un bras. Donc, c'était un peu ça. À l'époque, on avait une avenue des Curies. Avant Jean 23, Kitambo, Malebo, Kiti. À l'époque, il y avait un palais en athée. Il y avait une histoire en athée. Il y avait une histoire. Peut-être que je suis en émission, il y avait un scoop. Alors, ben, à l'époque, ils arrivent vraiment que. Bon, on a vraiment. Moi, je suis un éducation catholique, je suis un peu méfiant, on a un bâton, donc voilà, je savais me choisir ceux avec qui le feeling passait. Et à l'époque, vraiment, tout au début, je dois l'avouer, on a beaucoup plus papa chéri. Mais lorsqu'on allait, soit même dans la manifestation, ben, on pouvait échanger avec l'ingénieur, parce que vraiment, on s'est familiarisé, on a déjà la mission de Sawili, voilà. Mais à quel moment tu as décidé d'intégrer le groupe et la circonstance? Et tant qu'on a vraiment vendu à Siko et papa chéri, parce qu'après la guerre de Waza, aux hommes sont à Palais, ils ont aussi le mois déjà Palais, aux hommes sont chez Waza sont en charge. Alors papa chéri a dit non, tu seras mieux à aller chez moi, donc Nazwa va cliquer, va lui sacana, mon petit sac. Na kiko poser va penat nanga na isba
Nzbaye pas papa chéri. Donc bon, Vandakuna, après, bon, j'ai commencé à retrouver un peu le moral. Comme on a dit, comment bosse à moi les affres de la guerre, comment le traumatisme de la guerre, comment lis-moi, on te prend en charge. On te prend en charge, on fout ta palette, oh là là, oh là, mukaka, oh là, bon. Je me dis, mais bon, on me prend en charge comme ça. Qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que moi j'aime la loi de l'équilibre. J'aime être utile. On va dire, c'est mon principe de vie. J'ai dit, mais pourquoi pas être utile à ce frère qui avait d'abord à l'époque ramené ma mère du Bas-Congo Kinshasa qui était gravement malade à l'époque. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire? Si ce n'est être utile dans ce que Dieu a mis en moi, voilà, est-ce que je commence à écrire. Et tous ceux qui venaient, bah, monsieur, monsieur, bah, c'est quoi, bah, chanteur, c'est quoi, tant, bah, c'est quoi, bah, alors, bah, mais, non, tout le monde a une presse, ça va, il y a mon coup isolé, il y a un coma, il y a mon. Après, à un certain moment, où il y a une logique, bah, nous, quand là, on dit qu'on s'imprégnait dans l'œuvre, on dit qu'on s'imprégnait dans le style, on dit qu'on s'imprégnait. Là, on dit qu'on a fait répertoire après. Tant qu'on va voyager, le premier voyage à Abidjan, on a défunt bassiste dans le Sosson de la basse. On a dit qu'il est actif déjà avant. On a dit qu'il est en milieu depuis des années, mais il y a des actifs à Tika là-bas. À Tika, on a travaillé dans l'Isbaye. On a travaillé répertoire. Et en même temps, on a fait l'œuvre à Sika. Si vous avez vu ce que ma vision que on dirait un jour, moi, je vais recharger, tout ça, on sentira. Alors, le seul artiste à Zakouya, des fois, c'est Azoya, Yembina, Bissot, Alimpela. Mais le reste, c'est la musique, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous dire, mais tout va répéter. Pourquoi vous répétez dans le jour, 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 dans le T'as la guerre en 97. Donc, ils sont déjà à boire que les mais ils ont dit alors, on travaille dans la basse. Après, on a tout travaillé dans la bassiste. Est-ce que dans zone, pour dire, on a monté qui est aux zones, on a un accompagnateur, on a un travail dans les tout ça, 6 cordes quand même, 4 cordes, basse. Il y a 6 cordes, Alba accompagné. Oui, bien, au petit Paris. Donc, Alba que je salue, et son épouse, bonne année. Donc Alba, c'est quoi ces joindre dans l'abus. Nga moka chanter tout zo yemba papa papa. Alba pesa yena mpe admin à orchestre été. Toi notre mec sous la gagne admin. Et ngai na zaki pe admin officiellement. Mais na zako senti na masolo na biso déjà que na masolo papa chez nous comment préparer nga malé. Et puis après bah monsieur Musuba yoko ces joindre dans l'abus malé mbé. Garçon moko akufa na yoko akufa. Allureux. Alors, il y a un deuxième, donc il y a un concurrent déjà, à l'Ure, à Koufa, père son âme. Et puis, Streli Mikobi. Oui, bien quand même. Streli Mikobi, à côté de Zaïko, qui est Zaïko, je pense à la Bruxelles, je ne sais pas. Un petit peu de beauté. Streli, père Zaki, à ses jeunes dans oh. Oui, ses jeunes dans l'abus. Oh. Donc, on a travaillé, ce que nous avons travaillé, tu as un collège de paroliers, tu as une blague, tu es dans le tu as un bogis, mon père, ma grand parolier au Sakanati. Pascal Poba, grand parolier. Non, dans le coulisses, vous avez déjà la bande. Donc, vous avez qui, vous avez la blague, vous avez un sénado, grand frère à Chahingen, sénado, vous avez un Tabou Fataki, à Bruxelles, avec ta guitare, pédage. Oui, oui. Tabou Fataki, ça c'est après. Vous avez un Tabou Fataki, vous avez un chèque, la mort, vous avez un parolier, vous avez un peu ça, vous avez un bachar, mais vous avez un peu de panabis, vous avez un koumen, koumen. Donc, tu as dit que tu n'as pas parlé, tu as mis une bonne palette à parler. Mais là, bon, là, on n'est pas président, voilà. Et puis, Chaya Eko, il y a les Kassénado, les Kassénado. Mais entre-temps, on a maîtrisé déjà Banzembo, tout y a Wenge. Il y a Wenge, des moulolotis titaniques, tout. Des moulolotis titaniques, il y a une deuxième voie, il y a une première voie, il y a une ténor, il y a une partition de guitare. Je suis un Sunda, je suis un peu plus de temps. Et bandela wenge
Tilelo. Alors, il faut équiper nos formes. Burkina Faso, Azouta Massina, Ayaka, chaque jour, dans les bails de travail. Équiper nos formes. Tu as combien de temps au 7 sur le haut? Mais à quel moment? Parce que on a le de Moulolo, parce qu'on a dit Titanic. Donc, les Kalamoto, ils ont un Titanic. À quel moment? Mais tant que les Kalamoto, ils ont un Zovan, ils ont un piano. Okay. Pas presse, non, on n'a déjà pas presse. Donc, ingénieur Blaise Azovan, on a les vertes. Pour la plupart des musiciens, on est à l'époque, ils ont les campas. Faut les campas. Administrateur, donc, nous avons ma campas. Donc, je peux faire le pied. Des fois, je ne suis pas ingénieur. Donc, mais voilà. Donc, ils ont dit pourquoi toujours travailler ici, quoi. Le pourquoi? Je me retrouve au travail, c'est mon 48 heures. Alors, il y avait un chanteur. Blaise Boula, il y a solo qui est un chanteur, mon croyant à Chenga, mais il y en a un, oui, il y en a Blaise Prophète. Il y en a un, il y a bien joué aux la bombe. Un chanteur, il y en a un, oh, là, oui, mais pas Madilo. Ah, Madilo, des Madilo, ah, oui, chanteur, il y en a. Rio. Or, si, à un certain moment, il y a une distanciation, mon gros. Il y a qu'à Kéry, on a qu'à chez Prince, parce que Prince, ça a une distension déjà. On a une compréhension, on a un voyage à Abidjan, on a un comportement, on a un comportement, on a un comportement. Alors, il y a qu'à Rio, on a qu'à Isba, il y a qu'à Isba. Alors, il faut tout cotiser secrètement dans petit absolument, on a qu'à Isba, pas présent. Donc, c'est chargé dans une tendance, il y a une résidence à Prince, tout cotiser, tout ça, là, marqué à 48 heures, à Yembasiko. Tant que vous avez été exigeant, vous avez cassé tout, vous avez play. Vous avez pris un peu de temps. Vous chantez mon boy, vous avez répété la blessure. Vous continuez à non. Donc nous ne salons pas ma voisine, papa Guy Moukolong, qui est ici, bon séjour à Kin, que je salue. Grand ami d'enfance, il y a papa chéri. Famille Moukolonga, Salima, Da Salima, Flo Moukolonga, tout le monde. Il y a Napessim Novamote. Donc, à partir de mes chanteurs, nous avons danger. Et on a ri au moins quand on a les bails à Haïti. Tu es parti là, voilà, bon. Tu as mis j'ai coco. Ah, j'ai coco, prêt à bien, j'ai coco, y'a coco, chat. Donc, j'ai coco, y'a premier jour, on a signé 10 dollars. J'ai coco, tu as donné ça, c'est 100 dollars, tout cas, bon, là, mais tu as mis ta shit. Donc, voilà. Équipe, c'est quoi? Au moins, tu as équipe, on a ce qu'il y a, on a des salés qui sortent les zéniths. Sont allés bien. Équipe on a on a à part Bastrelli, Bakena na Bango, Alura Koufa, de Sotali Shaingeng, Rio, Ngai, Sundabas, Alba Compagnie, Burkina Faso. Moni on s'attire à Zenit, au Bakisika na Takchan, au Bakisika na Alain Pella, na Emily. Mais je n'en zone parce que na kokate lo moi le kanga. On lobi que ote kan zembute, kote ki. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui t'avait motivé à repérer ça, par exemple, ingénieur Blaise Boula, Nzembali Kalamoto? Parce que ce n'était pas facile. Je me suis dit, pose un micro. Oui, le micro, il est là, je me suis dit, il y a un micro, il est là. À l'époque, on a posé un micro, on a cravaché. Moi, j'habitais chez le président, le fer de lance du groupe. Mais je suis désolé, tu arrives au concert des fois où il est invité. On peut parler au Toki Pété, au Mbité, au Télémika, nous les mouines basimatites, nous les pépés. Au Zongi Pé, mon vent n'est pas leader. Et ça, on a ma bête, ingénieur. Moi, je me dis, je les salue très respectueusement parce que c'est un grand artiste. J'avais les défis de pas faire oublier, parce que c'est impossible de faire oublier cette voix, mais les défis de. D'occuper et d'assumer au Roloir, qui blatté au. Moutassalaba cœur depuis Moulolo Tina Titanic, Moutassalaba cœur chanteur des bases, Moutassalaba chanteur Moura Van Samda cœur dans BCBG. Yo, tu es pas bouillé, tu sens, tu n'es pas vertébré, tu n'as pas de talent, tu n'es pas artistiquement séduisant. Yo, l'ingénieur, tu as facilité. Je me suis dit, pourquoi pas? Nazarapé, n'a moins qu'il y ait, n'a pas ça, il n'y a pas ça, n'a pas ça, micro. Pourquoi pas? Et Mimi, pourquoi tu sais, c'est sûr d'une manière incroyable. Waouh! Donc voilà. Je comprends. Je m'en fais tout bêta. En guerre, on a des outils, on a des bêta. On a banlieue qu'on a à côté de Full Ranch. Je guerre, on a une catastrophe. Je vois un ingénieur à Binga, à Yao Binet.
voilà nous les rumeurs souka on a tiré tout ma phare au groupe donc c'est Albina je vois maintenant fâché mais Abibo alors on a couché avec Albina na fubu na ngaga na bandeau de danse dans la série on a allé là mais est-ce qu'on peut, on peut comprendre, c'est déjà le passé, hein, mais nous sommes dans l'histoire. Est-ce que tu peux comprendre que, face au Bandaïk au travail, quand on le dit, c'est pas pour faire oublier, mais tu sentais qu'on préparait déjà un Jules Kibens pour remplacer Blaise Boula? Non, j'avais fait une confidence à Papa Chéri. J'avais dit, je sens, je pressens, que va Ndegonabiso mingi bozana bango awa un jour bokabwa bakindi monte que structure oyo photo cha c'était la structure parce que un jour et ko wiko servir de bouclier de béquille à ça je voulais dire et puis à partir d'un an après ça puisse commandant des pipio professeur Jules Kibens le commandant des pipio tant que musée pipio zaki presidential protect unity. Donc, garde présidentielle, dans le temps de Mouzeba, il y a un PPU. N'est-ce pas? Et ce qu'on présente, c'est un combo, le commandant des PPU. Donc, j'avais la mission, une mission quasi secrète. Il y a qu'à assurer protection artistique après, encadré. Voilà. Donc, on va la banane au cas là. Le commandant des PPU. Tant qu'on a un PPU, on continue à envoyer. Kondina bango depuis na esbay. Kondina bango a pesa la wa partition. Malaksa mtobe ta guitare te. Ba toi confondre te. Malaksa mtobe ta guitare. Malaksa pe mtkoye mbate na lakisa ba tkoye mbana note. Malaksa ba tkoye mba juste. Pongo ta na yemba pour la première fois ingénieur de ciel beau azalate a tikala na Abidjan. Ba to ba kanga mi suba yo kanet ingénieur yemba. Na yemba ba nyas tout. Na parler du peuple. Et ma nias tout y a ingénieur ba toi bi mais ah soto kangi misu voix ingénieur soto fumuli misu yete de ça ils ont dit que na otenga ma onya so ba harmonie zo simbate donc est-ce que so balobi hawa to limani na yomvula mobimbe koki et pesi pengu ya makasi poteo zo a chance na kolanda yote pona kitok de temps en temps vane ça et mail a posé Alain peut la poser, prêt à poser. Bou, au qui disent qu'à Titanic. Textuellement. Donc, on a déjà perfectionniste. Est-ce que ce n'était pas aussi un mauvais départ hein? Car dit-on aussi, tout ce qui sort de l'homme, ce n'est pas l'homme, l'homme finit toujours par se dévoiler. Est-ce que, départ, Wana, auto bimi moutoumou, ou aïe, ou l'on l'a bilo à Blaise Boula, mais après, tu as eu un véritable Jules Kibens. Est-ce qu'il y a un open de salaté que. Et ça peut être polémique, mon chouchou? D'habitude, je juge à la maçon, Wapi. Si je juge ma soeur, tu ne peux pas le parler. Je juge Wapi. Tant que vous discutez dans le plan d'architecte, ou bien tant que maçon, on va dire on juge le maçon au pied du mur. On juge l'arbre à ses fruits. Vous comprenez tant que vous avez un orchestre à Batou. Style, il y a Wenge, il faut adhérer. Il faut adhérer au style. Il faut adhérer à la philosophie artistique à la place aux Oya. Alors, il y a une voix Moro et à Sikate. Il faut y aller d'abord, il y a une femme, idole Nabiso à l'époque, comme deuxième Seigneur, Serge Mabia, que je salue, le président Wirasson, Marie-Paul. Bisozali bata e mené à Kester. Déjà à la base, il y a une déjà. Il y a Kester, il y a mis Maga Kester. Et puis Kester, bon. Wenge pays, il y a qui Kester, il y a une case. Et il y a Mbeli à Kester. Et d'ailleurs, tu as Moulolo et Bimara, dans le Royal, il y a un Mbeli, il y a Kester, il y a un Mbeli. Donc, il y a un déjà bon. Il fallait qu'il y ait une lignée vocale à l'ingénieur. Après, il y a une lignée, il y a un sauté à Zénith déjà. Il y a comment il y a un moi, il y a un ingénieur. Colora caché ingénieur donc disque Zali disque Zali TH Zali tu vas y aucun disque tu vas y aucun y a pas match y a pas photo donc ça y va vocal maman y a bissa qui nga kala polingo koyembe débaser bah y a aucun mot bah y a aucun TH bah y a aucun voix professeur bah y a aucun internet
Internet, il y a anti-terreau. Il y a cœur, définition à cœur. Et cœur, il y a BCBG. Il y a définition à cœur. Il y a voix dans la tête. Il y a clin d'œil. Il y a clin d'œil. Il y a un million de lobby. Il y a du château, un soutenage. C'est jusqu'au retour du Christ. Il y a un lakissi. Il y a un outil. Ba nyansa ngo betaka liba ko tengam bayoka banzimbo bayoka bavo bayoka ba solo voko ce qui se targue à dire qu'ils sont les meilleurs chanteurs, bravo à eux, mais bayoka ngai na bayoka ngana ba disque wana nyonso bayoka cœur bayoka baso bayoka la rose verte bayoka ba germando bayoka ngana ochamu ngote. Ne pas juger la maçon et pied du mur, on va pas juger dans la disque. C'est ça, donc voilà. C'est parce que le problème, c'est que le professeur, c'est quelqu'un qui est très réservé. Non, on sent qu'il va te venir, il va te dire que. On dirait dans la koufa. Que Nako l'obate, Nalobarapé, mais je parle peu. Je parle peu pour prendre le temps de réfléchir. Ceux qui blablatent trop. J'ai les choix, moi, le professeur Jules Kivens, entre écouter mon moi intérieur. Le choix entre écouter mon moi autonome et intérieur et écouter le brouhaha extérieur. Les gens qui blablatent, faut-il que je l'écoute, que je porte flanc à ce qu'ils racontent, ou faut que j'écoute mon fort intérieur? Moi, j'ai le choix. C'est peut-être ça que les gens ne comprennent pas. Moi, je parle peu, je passe pas trop à la télé. Je ne claironne pas, je ne monte pas sur les grands chevaux pour claironner. C'est dont on parle aujourd'hui. Il y a des choses que beaucoup de téléspectateurs découvrent aujourd'hui. Et ben voilà, mais dans ce pays, c'est beaucoup plus, on surfe beaucoup plus dans la quantité que la qualité. On surfe, on écoute beaucoup plus ceux qui. Et ceux qui sont loquaces, qui abusent d'aussi grands vecteurs de communication, d'aussi grands espaces d'émission comme l'est votre émission pour eux. Voilà. Donc la force pour moi, professeur Jules Kivens, réside dans la pondération et non dans l'agitation. Mais pourquoi on acquise souvent Jules Kivens? Est-ce que pouvez-nous... Lorsque vous dites « on voilà, », je ne comprends pas très bien. Voilà pourquoi j'explicite. Hein. Pourquoi la majorité des PPU, qui sont restés en Europe, ces deuxièmes groupes dont vous avez livré ces grands concerts, qui étaient une très grande réussite de Bercy avec Bin Adam et Motupamba. Pourquoi Balobaraké, ce qui est basé un pays différent et qu'ils ont eu plusieurs problèmes que récite Nabango vraiment les alatés parce que la présence de Jules Kivens et Zaranamoa Bakal, c'était quoi le secret avec cet orchestre Nabango Bongolo, la deuxième groupe il y a Wenge dont tu étais les commandants de vous expliquer Bissouar. Bon, c'est pourquoi il était important d'expliquer Pipio à Outawa. Les gens pensent que Pipio et Bandaga na ba bande qu'on a vu sur Batika la photo, non? Pipio et Banda, bah on va zala vous dites, bah habité, bah d'ailleurs peut-être qu'au Sakara ou je sais pas, bah dans un groupe amiqué dans la cité. Pipio et Banda, na isbaï, pas quoi est-ce? Il commence commandant des Pipio, non? Maintenant c'est quoi? C'est ça le problème? On est méthodologie. Autre travail en haut déjà n'est pas zénith. Bah on va y aller, bah y a qui déjà tant bah y va y écouter déjà. Ok, c'est ça tout fait tout flamme. Oui, mais les concerts à Zénith, ils les le, ils regardent l'actualité dans l'autre, ils les le, concerts, moi, c'est la concert d'anthologie. Aux hommes, Zénith, c'est obéta déjà Olympia déjà. À l'époque, polémique, ils allaient qui m'a cassé entre maison mère en ABCBG. Donc, bah, au moment où là, on avait déjà, ton mécanat déjà dans la maison mère, ton bagarre déjà, ton baba. Bah, il y a eu guerre, comme il y a eu un moi, il y a aussi, là, il y a eu escarmouche, moi, crépitement, isolé à Babal, moi, caca. Il y a eu une guerre déjà, ils allaient qui. En fait, bah, c'était bah, la genèse des autres travaillés déjà dans les bails, bah, ils bitaient. Et je le voyais au bazar encore vivant, mais je souhaitais bazar sous vivant, je le voyais Alba compagnon. Déjà à Paris. So Yambi, comment on appelle, même Streli un jour, peut-être au Kukutana. Hein. So Yambi, Burkina Faso. A quoi expliquer, madame Nalo? Donc il y a un travail qui est de longue haleine. Et pourtant, je n'ai pas dit que ce groupe-là, il y a Pipio,
Pipi en Abisso, il y a deuxième génération, je peux appeler ça comme ça. Ma Pipi, la première génération, les Abisso, donc j'étais le chef moi-même. Parce que moi-même, je ne peux pas être chef des Pipi sans être Pipi. Moi, si j'étais un rookie, comme on dit, j'étais un rookie, mais un rookie beaucoup plus aiguisé, qui avait déjà une histoire avec la Wenge Musica, ancienne formule, et qui avait déjà un vécu artistique avec Papa Chéri. C'est un peu la différence. Alors, eux, ils sont venus, période déjà, tu connais, tu as dit, na Milouz, ben ouais, pourquoi non? C'est-à-dire que sur so, le place au bandana, si place on déjà avait du chemin, il y a qui bah, tu bouda bitumba ya makasi ya osalanate, tu bêta bah Olympia, tu bêta bah Medley Place na Canada, tout ça déjà bah et pour pas bah Bercy Zaika va faire entraînement déjà bah succès déjà et autant bah Zenith, voilà, vous en comprendre. Mais et pourtant j'étais moi, le professeur Jules Kibans, parmi les personnes qui ont soutenu ces jeunes-là. Oui, mais tant que tu as un poteau, tu as un bateau diaspora. Tu as un chanteur à la diaspora. Tu as un Bikou Lebrun. Tu as un Richard Moukena que je salue. Bibi Sucre et son épouse que je salue. Tu as un Bikou Jidel qui est avec nous, que je salue aussi. Tramontina. Donc, mais, je dois l'avouer, nous avons soutenir beaucoup plus la jeune Nabissoa. C'est un peu parti pris. Normalement, pour un directeur artistique. Et j'avais toujours disé, mais non. Et j'ai toujours dit aux musiciens, même Oyoba, ces jeunes-là, ils avaient travaillé d'arrache-pied. Voilà. Ils avaient vraiment travaillé, ils avaient suivi les B.A.B.A., l'ABC, ils étaient très attentifs. Et que lorsqu'ils chantaient, tu sentais vraiment qu'il y avait cette couleur à Wenge et Zalagi. Mais Dieu seul sait. Maintenant, le Banzamba est bien. Maintenant, c'est dans la gestion des ambitions. Après, ce sont des ambitions. Moi, je ne suis pas le fer de lance de BCBG. Moi, je suis qu'un simple directeur artistique. Même si c'est une composante très importante dans un groupe musical, la direction artistique. Quelqu'un qui te donne, au yena wenge, à l'action de Oyemba, à Mabe, à l'action de Oyemba, mais à Oyemba, à Oyemba, à note. Alors, je vous dis que au Sina Studio, Conseil Jules Kibans n'a pas Dieu ni Dui. Qu'est-ce qu'il y a dans le studio, il y a un drummer. Il y a un drummer qui est un concert, mais il y a un drummer. Alors, il faut que tu aies un tempo. Tempo. Ce tempo est bougé, il faut que tu aies un percevoir. Qu'est-ce que les autres ont qui déjà dans le drum. Après, le drum, il y a un accompagnateur. Accompagnateur, il faut que tu aies un guitare, il faut la bien accorder. Il faut mettre la partition harmonieuse qui s'harmonise avec les autres guitaristes, avec les solistes, avec le... Voilà. Il faut suivre. Note. Je passe toutes les notes d'abord des instruments open fin. Guitare basse, guitare accompagnement, guitare solo. Open fin, je dis. Toutes les notes open fin. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé, lorsque j'avais fait la connaissance de Papa Chéri, un perfectionniste. Et j'avais trouvé Alain Macab avec qui j'avais eu l'occasion de travailler à l'époque. La fête de l'amour, autant que ça la fête de l'amour. Moi, j'avais quitté Brazzaville pour venir. J'ai été supporté, nourri, logé. Pendant qu'on travaillait, album à Libosa Presse, fête de l'amour, à Bobongo. Moi, j'ai travaillé avec Alain Makaba, un perfectionniste. Et c'est là qu'a fait passer la test déjà à l'époque. Erez à la cana, bon, moi, n'a pas sentiment, ya chérie. Lélo et Tikala, erez les moraux. Motemana, gagnant, son apéché, c'est panayo. Les loyaux wanya fataki na kosuka wapi, les loyaux blaze kouka. Taraka mokili, oh nga mokili mabe. Mouni nzembo, oh makaba yembi sanga liboso. Yagana ba modulation. Yagana, ça dit que l'on a non tout mon goût ou modulé malamo. Nanyo kwami mote makaka abwe. Na koma se kolota lota chérie. Modulation. Tayi makaba zela nga wana est-ce qu'a ko mod est-ce qu'a ko respecter modulation. Nga na zo occasion na ko travailler na ba perfectionniste makaba za blague té à l'imprince. Aza blague té, c'est-à-dire que tant toi ka wenge des fois to simba nyo kana katika tu di place mutu ezati. Place ni atche mukila. Foye ba place ni atche parce que moni wenge Wenge a blague te. Wenge ezala wenge maison mère à BCG. Bon, wenge originel là, ezala qui orchestre moi a blague te. Il y avait un génie qu'on appelle Makaba, l'architecte. Mouta sa la musique, mouta sa l'arrangement.
makaba abeta clavier abeta solo abeta bass ayemak bu yosko yena orchestre nengwana ou okuti papa chéri et mon anou très 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 méticuleux très sévère très rigoureux alors ngai naza pédagogue na sala humanité pédagogique na sala art plastique na pédagogie senga foku beaucoup de rigueur. Le péché de Jules Kibens, c'est la rigueur. Le péché de Jules Kibens, c'est de chanter correctement. Correctement. Moi aussi, je me fais guider. Ne vous en faites pas. Tant on a eu un bagage, sous la basse, paix à son âme. Il n'y a pas de rôle, on est là. Ah, prof, vous êtes là. Ah, je suis un homme de chair de sang, je ne suis pas le meilleur chanteur. Mais j'ai cette prédisposition-là et ce potentiel-là. Il n'y a qu'au diriger. Il n'y a qu'au diriger, orchestre. Artistiquement parlant, musicalement parlant. Et ça, t'as la carte, on a bêté le masolo avec Vierox. On a bêté le masolo, on a travaillé avec un musicien, un guitariste. À l'époque, vieux Popo Lipo, on a répété dans Beaux-Arts, on a mouéka, on a venu mouéka. On a ce que tout ça, on a bouquiné, on a préparé la session, on a vieux Popo Lipo, on a guitare sèche, on a bêta. On a eu la chance de travailler avec vieux Doris et Empire Bakouba. Donc, on a eu la chance de travailler avec un grand. Et na wenge na kutana na ba grand papa chéri c'est-à-dire que banze mon nyonso ya wenge ayemba ngo ba nzemba wenge za nzemba wenge fwa cha voix et quand on va avec te ba autotune ba on changer ba voix ba bon ça ba note c'était ba yemba sans autotune ba za ko beta la guitare sans accordeur appareil mais comment zo accorder au tala et za électronique bo za la bate alors tant on na kutina ba tonde ngona qu'est-ce que moi je fais moi d'abord j'ai reçu une éducation très carré, mon père était très rigoureux. Il vit encore, il a 85 ans. Je te salue, mon père, qui est un grand chevron de l'enseignement, qui nous ont fait grandir dans la chicotte, les fouets. Vous en prenez. Mais ce cola, la rigueur. Alors, on a utilisé une méthodologie, me souhaiter. On doit bien avoir la pédagogie, une main de fer, mais dans un gant de velours. Je suis les musiciens les plus patients. Un chanteur qui te fait pour un solo vocal de 5 minutes, qui te fait 3 heures. Et t'as la tête, t'as les nerfs en place, t'as les méninges en place, pour supporter, pour sortir les meilleurs, pour ennoblir ses talents. Parce que lorsque les artistes viennent, ils viennent tous avec des talents, certes, des vrais talents avérés, mais ce sont des artistes qui ce sont des talents à polir. Un sculpteur, il faut polir talent, on est comme un. Oui, pour polir, rendre en eau lisse, rendre en eau potable, rendre en eau vraiment écoute, en acte, il y a un moule orchestral, il y a un orchestre. Moi, j'ai trouvé, moi, qui danse, une philosophie artistique bien donnée. Ceux qui ont bâti la maison Wenge sont vivants. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis très content et satisfait. Des gens comme Alain Makaba, lorsqu'on se voit, c'est le respect total. Les forcés de l'admiration, le respect des Titinal Capone, le plus grand batteur que je n'ai jamais trouvé. Est connu, Titina. Même Séguin reconnaît que son maître, c'est Titina. Dans tout cela, tu sens le respect. Il y a un grand guitariste qui est passé par Wenge Bisse, un très grand, un gaucher, Pati Moleso. Un virtuose comme tu ne peux pas savoir. Comme tu ne peux pas savoir. Mais il me disait merci. Il venait chez moi, avec un autre chanteur que tu as déjà reçu aussi, qui venait chez moi à 8 heures du matin. Je dormais encore. Ma sœur Gertrude, qui vit encore, ma grande sœur, a sali déjeuner, a déjeuner, a zola, a zola, a zola, a midi, a zola, ce soir. Mais il y a qui 8 heures. A zola, a zola, a zola, a zola, a zola, a zola, a grande sœur, a apprécié déjeuner. Tu as dit de 13 heures, son alam qui t'a dit qu'il y a de 13 heures, n'a pas de moleso. De 13 heures jusqu'à 23 heures. Des fois, on a lié pété. Mais tant sur ma mission, on attend un salaire, on a 50% de 10%. 10%. Il y a des missions pour lesquelles moi je me suis sacrifié. Hein? Il y a des missions pour lesquelles je me suis sacrifié. Alain Pé, l'attend de la TH, à outil allemand, TH, avec Okuta. Banzé Mouana, tout ça, on répète dans l'Isbaye à l'époque, avec Okuta, toi, il y a un studio, dans studio Marcadé. Alain Pé, là, il y a un bandé. On a appelé ces phrases par phrase. Bravo Alain Pella. Son aïe, c'est la phrase papa, papa, papa. Non, il y a des artistes dans ce groupe-là. Aïe, ma TH. On dirait que tu répétais pendant des années. A répéter TH. Donc, le péché de Jules Kibens, c'est qu'il est perfectionniste. Jules Kibens a le devoir de maintenir le cap.
artistique de Wenge, le cap. Parce que c'est pas... Toi, d'autres propos, tu sens que c'est de l'ingratitude? J'ai toujours dit, je le répète souvent dans les émissions, que les critiques sont aisées, mais l'art est difficile. Les critiques, ça c'est toujours au premier banc. Au premier banc. Même temps, vous avez un antique, mais si vous avez trop sévère, bah, l'antique va l'arrêter. Non, c'est le pauvre vivant, moi. Mais c'est moi, mathématiques, soit côté, ah, monsieur, bête noire, on va dans la bête noire, tu dans la bête noire, du tout bête noire. Au contraire, je suis de, pour beaucoup, dans l'artiste et Béliboyouka. Pour n'appeler ça vraiment peinard. Mais pourquoi Jules Guibens? Pourquoi? Tu sais, on s'est plaindre. Pourquoi Jules Guibens? Il y a un secret que je ne vais pas trop te faire dans le studio. Normalement, la déontologie, ça n'a bien été. Mais par contre, il y a un chanteur qui est super, One Way à l'équerre. One Way, tatata, c'est un Zulema. Zulema, chanteur, moi, tout ça, c'est un Zulema. So, aïe. C'est-à-dire, oh là là, non, pongi. So, aïe, à Simbi, à Lati Casque, oh là là, pongi. Tatata, aïe. Le chanteur, moi, il y a Achuda, Bofili. Achuda. Que je salue, la voix des mêmes Achuda Ayaka. Mais, ils en ont m'abété. Ils en ont peut m'abété. Moutoumso, ça, bien, mais lentement. Moutoumso, d'ailleurs, la difficulté, on a ça, la paix qui a guéri, et a fuité. Si on a un obstacle, mais qu'est-ce qui fait l'expérience? C'est ça. On a une difficulté, on a un studio, on a une difficulté. Après. Mais je... comme qui aussi a joué à temps, c'est l'histoire, c'est la réalité. Comme qui, au moment où on a temps, il fallait prendre du temps, il fallait. Alors. Non, ça, c'est pas Jules Guibens. Je n'ai pas lésé mes frères et sœurs. Pardon, mes frères. mes jeunes frères. Je n'ai pas lésé. Tes sœurs aussi, hein, parce que bah, dans ce film, il y a une banane, un petit héros. Ah oui, il y a un petit. Bon, t'as la gamme, il y a un petit héros. Voilà. Alors. Moni, à part ma mission à Kalawenge, on a tangé lieu. Dernièrement, tu as un ingénieur Blaise Boula. J'étais avec mon épouse, que je salue. Rose Ngalou Lamaki, c'est ma charmante épouse. Grande dame, Hervé. Que je salue, RG Resto. Et mes enfants, j'en profite, Granel, Vainqueur, Isabelle, je vous salue aussi. Vous avez une madame, on est à une soirée de gala. Nakuti, ingénieur Ciel et Boula, Nakuti. Le grand chanteur de tous les temps, l'inamovible, l'inusable, l'insubmersible, le chanteur, Redi Amisi, Bailo Kanto, Nakuti Bango, Manda chante, le président Manda chante, Banaoki. Et c'est un plaisir. J'ai vu le premier qui s'est levé, s'il vous plaît, qui se lève, pour me saluer respectueusement. Les premiers, Blaise Boula. Même ma femme, ça lui avait fait choc. Choqueur. Mais comment est-ce que tous les anciens qui ont fait l'histoire de ce groupe ont beaucoup de respect pour les professeurs Jules Guibens, beaucoup de considération. Demandez à Passan Kusangi, là, il vous dira. Il est venu avec nous, il est dans le groupe, je vous l'ai dit, il est dans le groupe. Demandez à Tutu Kaluji, il vous dira. Il est dans le groupe, il est à Paris. Toi, t'habites à Paris. Ils vous diront que les professeurs Jules Guibens. Et pourquoi tous ces gens qui ont fait la pluie et les beaux temps? Ndombolo, comment Ndombolo, à cause de l'album à Papa Chéri avec les cris de Tutu Kaluji, Ndombolo. Oh, bah, ça là, pendant Moussala Makasi, na Wingi, bah, Tabou Sozo Solana, Tabou Fata, qui est un grand guitariste. Mais il vit maintenant à Bruxelles. Il vit à Bruxelles. Mais Sozo Sala, des fois j'ai honte. Des fois, Akumi Sanga a dit, mais est-ce que je vois vraiment ce que tu dis là? Mais non. Mais comment? Comment des gens balancent à Zénith, non, il y a un coordonnateur. Balancent à Martyr Nesoto Sala, les coordonnateurs de la balance. Tous les ingénieurs de Centre Salaba Balance, les plus grands, les plus jeunes, ils ont beaucoup de respect. Ba Balance, ba Fikin, ba Ndoule, le concert le plus long. Qui coordonne la balance? Des guitares, la balance, qui coordonne? Qui a coordonné la balance? Il y a un Zénith, si tu n'étais encore là. Mais moi, j'avais pesé la balance, parce que lui, il était la zone Betanga, la zone coordonnée balance. Pourquoi ces jeunes ingénieurs de son, la sont-ils les JP Kiss, sont-ils Tony Son, sont-ils Alex Mayombo, bah, ingénieurs de son, tout travail, tout le monde qui est le professeur Jules, sont maestro. Mais pourquoi nos jeunes, tous ceux-là, les sous-cassés, les grands comme les sous-cassés,
un grand, j'étais même peut-être pas né tant dans sa musique. Mais lorsqu'il me salue avec beaucoup de considération, il remarque, il considère qu'il y a une maestria dans cette personne. Pourquoi qu'il y ait des dissidents? Pourquoi que voilà, c'est pourquoi moi je préférerais, je te dirais pas, je n'ai pas la police de ce que tu dois faire ni de t'orienter, mais je peux donner une petite idée. Il faut aussi interroger aussi d'autres personnes qui eux te diront que voilà ce qu'est le professeur Jacques Kibas. C'est le musicien, l'éditeur artistique les plus patients qui existent. Et puis j'ai même mon chanteur à l'aise, Atazo Kokate. Des fois, dans Bandagato, dans le studio, à 9h, si 17h, on a un tel rond à mon côté. Dans le studio, il y a au moins un homme qui m'a dit que je n'ai pas de sucre à pomme. Parce que dans l'artiste, il y a un peu le meilleur de lui. Pourtant, il y a un disque, comment il y a un disque, il y a un disque 5 minutes, il y a un disque 1 heure, il y a un disque 3 heures. Il y en a qui avaient fait même 3 jours pour un solo vocal. Hein? 3 jours. Alors, il y a un peu l'art est difficile, les critiques sont aisées, et ils en ont un. Mais, on a dit qu'il y a deux yeux, c'est un fin limier. C'est pas un slogan mon lobby, on a dit que l'émission, et quand on a eu l'air de mon tuté. Et là, tu es éloigné à mon tuté. Et là, tu es éloigné à mon tuté, justement. Et là, tu es éloigné à mon tuté. Donc, un grand parolier, le Bogis Pompel. À ça, la preuve, na vive à la musique. Papa, on va chérir, il est comme un bébé. Mais surtout, Bogis Pompé, qui est Jules Kibas. Surtout, ni Sénado. Bon, c'est dommage, j'aime pas trop faire mon apologie. J'aime pas trop parler de moi. J'aime vraiment pas. C'est un exercice ardu, un exercice. Mais tant qu'on voit la réalité, Oyo. Tant qu'on voit la réalité, Oyo. Et pour Sénado, on a raisonnement et la question, Oyo. Comment batali banda batuni on se bakuti ko mais il y a un moment na groupe ba fan banane qui réclamait que départ il faisait à la Jules Kibas il y a Rio. Pourquoi il y a eu un moment vague il y a Makambuana Oyo et qui est jusqu'à ce que même Tutu Kaluji a sa la déclaration. On est dans l'histoire, c'est la réalité, vous pouvez nous expliquer parce que la chose à la sincère a sa la déclaration jusqu'à ce que mais un moment a décidé de quitter Wenge BCBG. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais, papa chéri, c'est toujours l'homme à me battre. Je lui dis, pince sans rire, je lui dis, je regarde droit à la caméra, que papa chéri, c'est toujours l'artiste qui gêne, c'est l'artiste qu'il faut faucher, c'est l'artiste qu'il faut déstabiliser. Mais soit à l'époque, tout ça, là, 5 années, ma combattant, bah, ça l'a raté. Mais 5 années, cloué au sol, ton matasso avion, tu sais. Tout ça parce que papa chéri, c'était l'homme à abattre. Bah, tu vois, l'histoire. Combattu, mais tu n'es jamais abattu. Alors, si on veut combattre, si on veut au Bukanda, à part le pilon, on s'attaque à un pilier pour nous déstabiliser, papa chéri. C'était un complot. C'était un complot ourdi pour déstabiliser le groupe. C'est un complot ourdi. Bah, t'as la grille, symbole fort. Jules Kibas, symbole fort, Bogis, symbole fort, Shaingenge, symbole fort, Rio, parce que les gens ne comprennent pas. Rio, c'est un des chanteurs, dans l'histoire à Wenge Ongai, tant dans Yemba, dans la Santa, vraiment que, non, c'est langoureux, si, n'est-ce pas bien un massage à cœur, c'est-à-dire qu'il faut rendre cœur. Parce que chanter, c'est pas aussi les solos vocales, chanter. Nous avons déjà un leader, Moutassar, lead vocal, même si, na mananimité, na yé, après ça, il peut s'exprimer, na solo vocaux. Mais avant, tout le temps, il y a un groupe à leader, il faut yemba, cœur, il y a un problème. Nous avons un cœur. J'entends que je suis dans une maison et que je suis dans une maison. Problème. Vous comprenez? Donc, il y a une campagne de déstabilisation. Moutouana, ou à Salam, on a aussi été, secret des policiers, qui n'ont pas été bien. Assomba, après ça, il y a un bon. Je veux dire, il y a un bon. Assomba, il y a un fan, tout le monde a fait. Que j'ai un message, papa Chiratini. Abibo aidé, il y a un concert, il y a un micro, parce qu'il y a un coca sauté. À côté de ma tête. À côté de Tchangou. Ben, nous avons la base de l'Apocalypse 22 avant la Rawana. Donc, avec une larme, il y a des sommes là-bas, qui sont là, qui sont là, vraiment, nous sommes là, fort. Il ne va pas t'écouter. Il ne va pas adhérer à ton discours. À quoi adhérer? Il y a un salaire. Ah,
na papa chéri moi quand moi tombé dans l'angile tombé dans l'angile ah tout à fait un mariage à mutango eli kinzonzi muto alobaga na mariage ngape mon alobaga na mariage na que le porte-parole ya famille na bango za sangi moi malaise bazanga pe ngam na sala kinzonzi après wana photo que même bango na conseil na ngili oh to ko ba fan oh. Je salue Tchétchenko. Voilà, je suis photo de Tchétchenko. Pas tout solo à Paris. Tu n'as quel souvenir garde du professeur Jukibens? Tu n'as pas de Timolès. Il y a comme beaucoup d'artistes qui gardent de bons souvenirs. De très bons souvenirs. Si aujourd'hui nous avons ton bêta na wenge, tu as ma marque parce que toi, tu nous avais encadré. Donc voilà. Tu comment, papa, je dit, ah, prof. Ma petite, on va créer un climat malsain. Mais on a bien les abapetités. Moi, une bonne fois, d'habiter les abapetités, on a limité les petits n'abissos. Ma petite va au salon. On a bien quitté. Pourquoi on a le bon moment à dire en tout cas, après c'est quoi les abapetités. Faut les aller mener noirement les aller, mais bon, tu continues pas, papa, papa. Et après, à Zalaga, à Talaga, je vais avoir détecté des amoutons en apport. Tant ma femme va contester. Ma carrière n'a si ma baffe la rire. Ah, c'est comme ça. Donc voilà, il y a une grande déstabilisation. Moi, Babette Alibana Namboumara était là. Alors, toujours pour être constaté, il faut être contesté. Moi, une contestation, il y a un ministère qui va te voir, pas un ministère. Il y a Jules Kibens qui parle peu, mais qui fait un travail de fond, peut-être dans l'ombre, peut-être plus dans l'ombre que sur un podium. Même si je suis un acteur majeur dans le dispositif artistique et ABCDG. Donc, ils ont un gros cas. Perception à ma cam. Moni Koto, on est sigo. Dans le nom d'un tour qui est de Funda Tecto, qui est de secret de Pouchinet, Koto, on est dans le nom d'explication, mon boy, c'est clair. Ou on est sur le cambo. Il y a un antithé. Non, non, c'est pas ça, vous êtes libre. Moni, attends, moi, si t'étais, on comprend parce que. Ce sont des histoires, si vous avez des détails, où est-ce qu'on va combo les amis? Parce que vous êtes clair, les histoires, vous avez déjà dévoilé. Gino a yembi, Fuji a yembi, Mignon a yembi, si je ne me trompe pas, et autres. Bah, yembi n'a entité. Album est bimi. Bande comme elle dit que tu y es back. Yo pour enregistrer, yo on a posé un yo qui bango carré. Bande comme elle dit, na négé ça peut qu'aboyer reste un musicien. Mais moi dédicace déjà, bat na bamba osela. Album est bimi. Babylon na bamba osate. Et vous avez bon jugé quand même de dire à Jubin Piana qu'il y avait une erreur, Yakubung c'est loco, alors que vous étiez conscient que c'était pas le cas. Aujourd'hui, la situation en arbre, vous avez beau expliquer, oui, c'est vrai, mais la réalité, on a, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Moi, je ne peux jamais cracher sur l'art. Je ne peux jamais cracher sur les artistes. Je sais ce que c'est un artiste. Wenge, tant que M. Bayaka, il n'y a pas de talent. On a répondu, on a répété, il faut polir, il faut ennoblir les talents, il faut canaliser les talents. Moi, le professeur Jules Kibens, je suis chrétien pratiquant, je ne peux pas cracher sur le travail. Parce que moi, on n'avait pas craché sur mon travail. Moi, on ne m'avait pas craché sur déçu par rapport à ce que j'avais à donner dans BCBG. Lorsqu'un artiste vient avec un potentiel, et je répète, c'est des artistes qui avaient travaillé avec moi en coulisses. En coulisses, donc chez moi à la maison, s'il vous plaît. Chez moi, presque tu as évité mes gens cadres. Il y a même des collègues qui pensaient qu'il y en a combien qu'on combattre dans ma collègue dans l'ancien. Donc, comment tu as un petit poids, petit comment il m'a répertoire, petit comment on passe ma corde, bomba ma corde, n'a bomba qu'à rien. N'a pas ça qu'à monter, n'a pas ça qu'à nuance, même deuxième voix, deuxième voix, n'a pas ça qu'à. Deuxième voix, nuance, doublé, n'a pas ça qu'à tous les secrets, nuance, tout n'a pas ça qu'à peine à l'embarras. N'a pas rep. Bah, rep, comme attendre, monsieur, qu'on vend, boutique, n'a pas instrument, bientôt boutique, n'a pas baffe, la mine, n'a pas beaucoup de chimé, n'a pas, hein, boutique, t'y vas guitare, n'a pas ça qu'à. J'assume mes propos, donc na pesaka tout na bomba gaté na yitsika na yibi ba voix tout ya wingi. J'ai mis quiconque au défi au à contredire na yibi ba voix tout ya wingi. Ténoriste ndenga koyemba nzembo mulolo ndenga koyemba nzembo kini bouger ndenga koyemba nzembo 48 heures. Je suis là tout, je dis bien toutes les chansons. Oh, toutes, je dis bien toutes.
na opesa guitariste partition na yebi ba partition na munoko na pesa partition ba bassiste beta boye clavieriste beta boye bato ba kamwe et bimi bato ba tu wow donc on se comprend alors ba petit on a travaillé na bango en coulisses. Opena ba collègue nanga pe to banana bango tamsusu avant bango ba mo lo banet nga na ko chabango po ba exemple za ebele nga sa artiste ngoya kan nga ke azala utile na orchestre tang azala utile tang wa leka ba lo ba ah mais c'est le danger ah mais c'est les zone ba chanteur moi mystique ba lo ba esa honneur nanga d'abord so équipe beti bien ba jeta fleur d'entraîneur té so Real de Madrid le problème c'est que même par exemple Barcelone Johan Cruyff faisait entraîneur à Barcelone. Atika philosophie moko boy tant entraîneur tout bayak. Balana bon après Johan Cruyff il y avait qui? Il y avait tel entraîneur, il y avait Ruud Gullit, il y avait Pep Guardiola. Après Pep Guardiola, il y avait Titi Balandaka, bayaka ba c'est documentaka. C'est documenté à tel entraîneur Atika philosophie à Jeboué. Tel entraîneur, bon je prends le meilleur de cet entraîneur là, de l'autre après il assoit. C'est comme ça que les choses se passent. C'est pas genre génération spontanée, tu vois, tu veux bam, la moko, on va créer le moi sika. Non, il y a rien de nouveau sous le soleil, il y a rien de nouveau na kata wenge. Voilà, à propos de ça justement. OK. Oyamba artiste Pati Molesso, il a assumé que c'est lui qui avait fait ça. Na été sur Oyamba Isaki ou bien na émission Moussou. Bien sûr. Pati Molesso parce que Pati Molesso azaki ndenga azaki wana azaki arrangeur. Quand je dis arrangeur, c'est-à-dire que a programme la musique. À sa programmation, à sa ingénieur à route de son pays, pour un ingénieur de santé, n'a pas programmé, n'a pas direction, directeur artistique. Mais Pati Molesso, en dehors, il y a talent et un guitariste, un grand, je persiste et je signe un très grand guitariste, une valeur sûre, il y a beaucoup d'ambition de la guitare. Parmi les guitaristes, il y a Miné, il y a beaucoup d'ambition de la guitare. Alors, c'est lui qui avait le côté technicité. Tant que comisico, la plupart des gens ont programmé. Tant que programmeur a dit que le fichier est samouré et boum. Si vous professeur Jiki Benz, il y a beaucoup de baguettes magiques. Bien sûr, il y a un entraîneur, mais entraîneur. Et tant que Pati Molesso sa émission, il y a un entraîneur à Paris. Il y a un entraîneur qui a dit Pati Molesso. Je me suis dit Pati Molesso, tu aurais. Ah oui, j'ai assumé, effectivement, c'était moi, parce que la petite, il y a un peu de temps. Ah, bon, voilà. Si je suis presque, je suis programmé la musique. Je suis programmé la Viking Song. Il a dévoilé ça dans mon émission, certes, c'est vrai. Voilà, après voilà. Plusieurs et, années, il s'est senti libre pour et puis, parce que vous n'étiez pas au courant. Non, je n'étais pas au courant, du tout. Techniquement, d'abord, on a évité, programmation, on a évité. Dans tout ce qui est technique, il faut que l'on ait peut-être un jour, mais on a bien voté. Tant que je suis programmé, je suis affiché, on a mis ça, alors il est affiché, il s'embrouille. Il est prêt à Golobani, il est Golobani. Il fallait faire avec ce qui était là. Il fallait maintenant faire. Est-ce que les gens ont travaillé dans nous? Est-ce que nous avons dit que nous avons des travaux supplémentaires, nous avons des salaires, nous avons des salaires. Tu sais que le travail que ça représente à Taïomo. À Taïomo, maniaque du boulot. Non. Il vaut mieux, ils ont déjà équipé en Pastor Banan, récemment, à ICA, Nartensi. Je salue l'ingénieur, parce qu'il y en a en Afrique du Sud. Il peut vous témoigner Michel Ngongo, ingénieur à ICA. Tout ça, là, là. Alors, boulot aussi, vous savez, Janakin, ils ont déjà avancé, mais c'est stylé. Bon, ça, la soupe séance, à Tambon, d'abord, papa chéri, producteur à Zalagate, il y a un logé, un musicien, un nourri, un musicien, tout stylé. Vous pensez que c'était vraiment quand on dit que après le soupe à la séance, vous pouvez répondre à Tambon? Non, du tout. Donc, il y a une chose qui convient d'être, convient de fixer, de bien fixer. Il ne faut pas qu'ils accusent le professeur Jules Kibens. Non, le professeur Jules Kibens, c'est un bâtisseur. C'est un fédérateur. Les professeurs Jules Kibens aiment les gens qui sont en groupe. Un abo moko, un abo tout le temps, ça fait un bloc. Ça me fait plaisir. Comme Petit Nabisso, Dolin, Lokis, Didi Kalombo, qui est revenu dans le groupe, Chiquito. Mais ça, il y a un peu de Milouz. Y'a qu'un champion au Porto Bimalelo. Tout la qui s'en a bambamba, qui est aussi tout l'ingani, et en bon assez. Non, il y a l'okis, ah oui, ma deuxième, 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 ah oui, ma
équipe voilà l'équipe moi aux comprendre et je le disais dans le bango tile le sortir va mission avec ces gens là Didi Kalombo je me souviens ba un jour même ça ah Didi yemba ne vous avez mbana badole ne vous avez bloc yo ça mtakala vraiment hein et ça là que on peut pas gérer les ambitions des uns des autres. Je suis pas le maître de la destinée des uns des autres. Nous sommes tous soumis au dessein des créateurs. Chacun a son histoire. Lorsque chacun, pour des raisons qui lui sont propres, décide de faire travailler seul, de cheminer en solitaire, ben voilà, on dit, on a plein. Et on s'est dit peut-être que bon, si j'ai apporté un petit, j'ai ajouté un petit bar sur le T, un petit chapeau sur le I, qui peut le faire voilà, son expérience pour qu'il aille de l'avant, ben voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Moi, j'ai jamais catastrophé ni peindre les autres en chinoise pour leur dire que non, pas qu'au réussir. Tout le monde a le droit à la réussite. La grâce, c'est une faveur imméritée. Nous sommes tous sous la grâce. Il n'y a pas que Jules Kibens qui est sous la grâce. Même ceux qui sont partis du groupe sont aussi. Moi, je suis venu à la moi mbula inoka kamvula nanze mona uti ya Michel Kwado na bibisa uti zo bibisa na lobi nous allons parler est-ce que si mona ba angelo ba kitina se ko se na facture ya paiement ya moi to mvula ne bata snel ba leka to ya régie des zones au fele on au fele pour ne eloko to zo au fele na souhaiter que bangono Dieu est pour tous. Votre bimini, une manière pour nous de bien vous recevoir. Non, ben, un cocktail, voilà. Non, c'est super. La maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stellman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stellman. Voilà une manière pour nous tout y avoir bien. Ça fait. Ok, merveilleux. Hein, encore. Bonne année. Avec Jungle Bar, le PDG Richard Kabbala, et je vois Jerimbu, hein, Jerimbu. Richard Kabbala. Ouais. C'est mon pote. Ah bon? Ah, c'est un grand ami. Oh, voilà. C'est bien. C'est bien. Il fait beaucoup pour cette émission. Islay Ilenda. Merci infiniment, Mervé. Mais, prof, Toyokyo Mambolobi. Jusque-là, ça va. On s'est expliqué, mais ce Mambo, maintenant, qu'est-ce que. Ou alors, on a dit que non. Tenez, qu'on a la réalité à Makambo sur place. Est-ce que dans Wengebe CBG, il y a un salaire? Bon, et là, ça fait jaser, ça fait parler beaucoup de gens, ça fait des spéculations. C'est simple, c'est pourtant très simple. Dans ce Zaranabanda qu'on a vu ça, il y a un temps, une période où, voilà, papa s'est retrouvé, à commission des services, à Zuba Prime, en dehors à salaire naïe, à Zatamsoua, à Boulomsous. En ce moment-là, moi, Nassan, et puis moi, Damas, et Yara et Belek. Mais ça va traverser une période difficile. Ils ont appris qu'ils vont serrer la ceinture. Donc, tu serras la ceinture, tant que monique et Pérodouana. Parce que l'abolitionnisme a fait que le lobby orchestre est tourné à sauter. L'abolitionnisme, lorsque je parle d'abolitionnisme, les concerts ont été abolis. Donc, nous ne tournons pas comme nous tournions avant. En plus, tous les producteurs, tous les grands producteurs, produire biso qui donne bazaro chambo on a vraiment pour passer à la production ils se sont découragés bamsou bakoya. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'il y a on peut comprendre que lorsque l'orchestre tournait à fond, okay, nous avions nos salaires mensuels en bonne et due forme, okay, mais depuis qu'il n'y a plus de producteurs, depuis qu'on ne tourne plus, on va plus en Europe, depuis un temps c'est le président qui fait tout, alors il peut pas satisfaire tout le monde, alors nous satisfaisons de ce que nous produisons. Lorsque nous produisons, nous avons quelque chose. Lorsque c'est cette période-là, il n'y a pas de plus-value, on se contente des primes. Voilà. Nous avons la grâce d'être l'orchestre peut-être le plus sollicité. L'orchestre qui joue Tobé Taraming,
et l'orchestre qui glane la jet set de la ville, des gens quand même qui ont une certaine position dans la société. Donc orchestre comment pour orchestre tourner, faut leader à un moyen, faut leader à un instrument, faut leader à un contact. Encore que le contrat qu'on a ning c'est en Afrique. Et puis bah billets, nombre de billets d'avion, souvent le producteur est belé bah au Canada, on se tape sur 30, 20 musiciens. Des fois, le producteur a un moyen pour supporter 15 musiciens ou 10 musiciens. Alors yo l'idée au sein d'une fois dans la poche nayo, puiser dans tes réserves. Et puis pour au palier, tape sur qu'on est moins 25 pour net BCB, j'ai une grosse affaire, big deal. Et ça, toi, bah chanteur est belé, tout ça bah rotation. Et puis pas cher que tous les chanteurs puissent s'exprimer. Ah, donc voilà, ils ont appris bien. Plus vous avez tapé bah, concernant les bah, jeunes chanteurs, bah, vous avez expérience. Donc c'est un peu ça. Depuis conjoncture, il y a Makamba Poto et Banda, en tout cas ça a l'air comment, très difficile. Vous avez combien de chansons dans Wenge BCBG trois chansons, non, quatre déjà, je pense. Attendez, na Banana Love Airline, même bah, Jean-Marie Lukula, c'est le Don King, 140 ans de pouvoir que je salue. Dans okay. Une voiture, Nayemba et Eric Gbenye Mobali, que je salue aussi, Armand Ochoudi, après Nayemba Mbeto Eleli, Nayemba Massama à Bruxelles, Becker Kunzi, après Mbeto Eleli, et Kozalasiko, Monsieur Le Quado. Monsieur Le Quado. Donc ça sert à cet album tant attendu où on ne sait plus quoi dire, que faire. Si, il y a toujours quelque chose à faire. Y a aussi toujours, y a, on a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose à faire. Le travail a été. À quand la sortie? On devait sortir là en décembre. On devait sortir en décembre. Tout était fin prêt. Après, bon, il y a eu cette histoire de couvre-feu. Cette histoire de. Les gens n'avaient pas compris au départ la logique de ce couvre-feu. Parce que, bon, d'aucuns disaient que c'est pour le Covid. Et d'autres disaient que c'était pour des raisons sécuritaires. Et en même temps, il y a eu cette psychose qui a gagné un peu le. Les Kino en particulier, les Congolais en général. Et puis on se dit, bon voilà, voyons voir que les gens s'y habituent, s'acclimatent un peu à cette période de couvre-feu. Et puis voilà. Mais sinon, on était hyper fin prêt pour sortir en décembre. La preuve est que Papa Chéri est resté là-bas. Il était resté là-bas, les affiches étaient déjà au point. Et voilà. Et donc, on est en train de regarder ce mois de janvier, comment il se passe. Déjà, je vois que les gens commencent déjà à faire avec le couvre-feu. Les gens commencent déjà, voilà. Les fêtes sont passées, ils ont été un peu moraux, c'est vrai, les gens ne sortent pas la nuit. Obi Kebatuming, on a revivre à partir du soir. On est comme moi le contraire. Hein, contexte Kagame, sinon, cet album Néon Lobby qui a été attendu depuis 2010. Tangusiko et Koki, Tosale Moussala, un travail difficile, un travail de longue haleine, un travail titanesque. Nous avons vraiment travaillé. Nous avons cravaché pour vous offrir un disque digne. La chanson s'intitule Monsieur Le Quado. Monsieur Le Quado. Voilà, Monsieur Le Quado. Vous pensez à Nayembi Nan Touré. En fait, Nayembi, c'est un illustre inconnu. Il s'appelle Luc Binéné, il est en Afrique du Sud. C'est un homme d'affaires. Mais qui se veut. Reste dans l'ombre, mais c'est quoi, pour ça qu'il est là. Voilà, mais s'il fait des actions. Mais en fait, c'est Quado. Quado, ils ont abonné, Parce qu'on a ça, il y a une recherche. Comment Quado? Na Brazza, ils ont raté. Na Poto, ils ont raté. Na pays d'Afrique, na Kin. Pourquoi Quado? Si on a découvert que ça, mon dernier mois, c'était la pinée qu'elle a Kin. Azaga, il est mort. On a bari mi balé, mais on a succès. Mais comment les amis, mais c'est Quado. Quado. Un tabac kinois, quand on voit Quado. Bon, Quado a été comme pépé pour Nanini. C'est ça la problématique. Pourquoi Quado a été comme Elo Azor Félé? Ou il m'a appelé à son bar. Pourquoi Quado a été comme pépé? Et puis, il a été comme pépé. Moi, ça va être comme la tobola, piné la stratégie. Oh, neuf trous. Sous la distrait, Quado a été comme moi, c'était mon bouteille, Elo, on y a été. Donc, oh, neuf trous. Donc, sous la distrait, Elo, on y a été comme ça. Donc, à Boulay, il a été comme moi, 5 000, Zora, oh, 18 000. Et puis, il y a toujours fait. Il y a toujours fait. Il y a toujours fait. Donc, la grâce, c'est une faveur imméritée. Mon PPP, il a une faveur. Alors, il y a toujours une faveur. Même si il y a toujours fait.
Dieu est amour et Dieu est pour tous dans le bagage. Nous avons pour nous tout. Allez, nous avons si vous voulez, nous avons pour la boule, nous avons pour la boule. Pourquoi? Donc, ça va. Maintenant, à côté de la mini basse, quoi de nos mi-bali? Ok. Mais on a le titre? On a le titre dans l'album. Il y a un autre zolo, à deux yeux. Bah, tu as mis tes mains, et tout ça. On dit que papa chéri a proposé dans ta. À proposer à nous, c'est gagné à trois titres, c'est gagné à moi, à bien d'autres, à Ebéli. On a un chef d'orchestre qui a commencé à rejeter. Et puis, on a un chat à moi, des titres, et à le service rendu, tout ça, à bien d'autres. Il faut que nos jeunes aussi. Et pour la petite anecdote, il y a un chanteur aussi qui a quitté, dont j'étais le nom, à loin déjà moi, là, ça fait quelques années, parce que l'album est Oumeli. Toujours ça, la casting à Banzé. Bon, c'est l'histoire, pourquoi ça vous dérange? À chaque fois, ça, sincèrement, je vous dis la vérité. Comment on dérange là? Tu t'es les noms, tu t'es. Alors qu'on le belo m'a bêté. Non, non, le belo m'a bêté, mais c'est l'histoire. C'est-à-dire que la culture africaine, on a la culture africaine. C'est-à-dire que. Oui, je comprends. Le belo m'a bâti et pessi. Bon, ils ont une histoire. Il y a des réalités coulisses. C'est ça, même véritablement, concept, c'est émission de Yangoana. Le concept, c'est Yangoana, mais c'est école les bon, une fois seulement. Une fois seulement. Une fois seulement. Chantier, on a vu ça me ramener des charmes. Ok. Alors. Bah ça la casting. Elle peut doubler en là. Maintenant, bah, on va doubler normalement et ça concurrent. Parce qu'il y a aussi l'émulation positive et l'émulation négative. L'émulation positive, c'est que guerre est vraiment loyale. On a pas ça l'effort. Ah, il y a ça qui faut qu'elle a danger. On a besoin qu'il peut parler. On a travail donc. On a une émulation saine. Émulation, on a dit comment oh, toi que je m'y mette. Parce que ma petite mission, quand ça soit, il y a un orchestre. Et ça, net à deux yeux, net en tout cas, net toi présenter l'émission là, moi, petit moi, une chronique, moi, j'ai oh, j'ai tellement à continuer l'émission. Est-ce que donc ils ont appelé Bongo, mais ce qu'on dit sur ton positif va toujours. Alors, bah ça la casting, y a bandé mon papa chéri, exigeant pour voir bandé bandé mon casting. Donc, au yémi boya yango, au yémi boya, même attendra, na ça la boya marie na ça bandé mon ah prof, nous canam talagayo. Alors petit, na bit petit. Des palais. Ton matin à 4 des palais. Il pleuvait abondamment. Donc, il parlait papa, papa, papa. Nazo composé Nzem. Parce que Nzem, on est arrivé bien, même tout. La tête, donc, il bandait bien trop. Nous avait posé problème. Ton bando travaillait papa, 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 nuitamment. Une grosse pluie battante dans la Texas. Nous travaillait. Et Dieu merci, j'étais très inspiré. Son a une phrase bruit. À enregistrer un appareil. Enregistrer. Ti, au bout de 30 minutes, Nathalie Hero, na massa azo taxi nene, na demaraka sous la pluie moko opena mututu agarak. Ba mvulo za na refo garé po visibilité mo bunanga no tika tina limité na zavana na bombe. Ba histoire abo eza ebélé. Eza ebélé et jour ya kisko le lendemain na répétition les jours après, après ala mais voilà. Kana no za kiwa. Mais presse n'a jamais su. A ébité tilélo, kenga muna idaye na structuré, mutanze moné. Ça dit que Gilles Kibens sozo mona, banze ma misé belé ba mélodie na ngazali ba partition même. Ma guitariste est belé, avec na partition boyé, mais na ébité que non, kené na ngobo, bien danger, a bétipé. Et bien pe na disque. Ba disque belé, nzembo, tam sou parole, na enrichir texte, ba femme ba ébité. Tam sou, ah, mélodie ou. Et puis, on dit que l'artiste est mort au Yambagi dernièrement, bon, parmi les artistes au Yambagi. Tu te rends compte? Tu écoutes un année, Mignon Abraham. Un petit que j'aime beaucoup. Il le sait. Et j'ai été étonné. Monsieur Mignon Abraham a le bas du mal de moi. C'est comme si j'étais la bête noire. Non, non, non. J'aide plutôt les artistes. Et là, on joue, c'est un fervent, faire du billard. Moi aussi, j'aime le billard. Tu es un année billard. Tu te rends compte? C'est l'ambiance bonne famille de l'air, tu mets la place, tu vends la pena, tu vends la pena, tu vends petit billard, tu vends la pena, 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 tu ah prof, merci beaucoup, tu as beaucoup fait pour nous. Merci vraiment, prof. Si tu as dit que tu as dit que tu as contribué à Ming, parce que papa chéri, tu as fait la bango, tu as fait papa chéri, tu as fait la bango, mais. Petit bien naïf, ça me va droit au cœur. Tu blagues pas, c'est petit, moi, c'est que ça va trop, donc, sans arrêt. Tu mets ta babia. On mange, on boit ensemble. Bon, je ne suis pas parfait. Cogito, ergo sum.
cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Hein? Je suis Jules. Je donne ce que j'ai. Une belle femme ne donne que ce qu'elle a. Nezana, papa chéri, ayakara. C'est l'un des rares artistes, Atikab artiste, qui va s'exprimer dans le studio. Papa chéri, ayakara dans le studio, très rarement. Voire même pas. Soit il m'a dit un poteau des fois, il veut bon, travailler pas, botiner les copies, ah, c'est bon. Soit moi, on rectifie, donc il ne vient pas. Mais quand, lorsque le leader ne vient pas au studio, Namini, toi, Nana est responsable. Nana est responsable, il faut rendre compte, il y a déroulement à studio. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça se passe comment? Bon, maintenant, moi, ceux qui n'ont dit que tel n'a pas bien performé, je peux lui dire non, tel. Non, le comité, mais on a insisté à comité. Et puis, jamais, tu es dans le studio. Et moi j'ai toujours cru na artiste de façon que ti ata lelo ata lobby kolala ko lamgata ngoya ko ako pasola. Donc voilà. Donc tant on a pas sa rapport, on a pas sa qualité, on a pas sa ba défaut. Puis c'est une qualité et défaut. Moi j'étais pas un fin danseur, malgré le quête fond ma sco. Mais à l'époque na gabo bina na maboko, lela, lela. Mais c'est lelo souté. À force il y a abnégation, à force, il y a répétition, il y a volontarisme, il y a apostolat, parce que musique est apostolat. Même yo, vous voyez, il y a un cas là. Mais pourquoi ma place aux alliés à cravache? Maintenant, il y a des gens, les lunettes, si bien jeunes, et bien, comme ça, la musique est la génération spontanée. Boum, bah, moi aussi, c'est bah, pourquoi? Même vie, bah, domaine, sa vie, c'est la bonne. Donc, il y a la vie, il faut savoir ce que tu es. Moi, je sais ce que je suis. On m'a mis là-bas à la direction artistique. Quelle longévité à ce poste? Et pourquoi BCBG est en live? Pourquoi BCBG est en CD? Tu as un CD qui est en Peace Square. Il y a un tal à la cima, tu as un CD qui est en live. Pourquoi BCBG est bon? Mais quelque part, il y a Papa Chéri qui est un qui donne l'orientation, qui donne sa vision artistique. Je répète, c'est un perfectionniste. Il est très sévère. Tu es chez toi, tu es le chef chez toi, mais lorsque tu arrives, ils arrêtent. Et moi, je fais que continuer la vision du leader, travailleur. Alors, l'élo, malheureusement, c'est un peu la facilité. C'est un gros travail. Être émissaire de Wenge, c'est pas une mince affaire. C'est pas facile. D'être classé en hôtel, mais en Wenge, parce que papa, chez une a dit, tout immense quand même. Sauf ça, il démite mon atelier. À ta base, c'est mon raté singa. Donc tout ça, en fait, c'est ce qui nous lie en fait. Il est très, très, très méticuleux. Il est très exigeant. Et comme ils ne peuvent pas dire le leader est trop exigeant, ben, c'est lui qui fait la suite sur le plan artistique à matérialiser cette vision-là, c'est directeur. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que dans les chansons, bah, vocaux, ça revient, Jubin Piana. Pourquoi ce style dans Wenge BCBG? Parce qu'il y a beaucoup de fans, besoin de. Ma coma qui traumatisé, Kobanga banga yo, Lokola mpesera, Kobanga ka soson pene naye, Tongungiha, Kobanga ka mo pepe ya malili, Liye boe, Kobanga ka lokolo ya nzoku, Paul Kankwende, l'inamovible, mon lendo sakombi, vocal nanga. Maître Dido Rateno, Salvatore de la Patria. Ba salamakitana bango, yanga na yo kino liwa. Po eskato banana na sulutani, bazala kate mama. Vocal nanga. Tout ça, ba vocal. Mais il faut quand même tout à la réaliste. Au moins, il est fer de lance, des verres de. Et à la maison mère. Et à la. Nani, orchestre Zaiko. Le fer de lance, c'est mieux à l'ombre. Vraiment. Bisso, quand tu as un orchestre, il y a un orchestre qui est langue à langue sens. Oui, il y a langue à langue sens. C'est-à-dire sept patrons. Bah, il y a un allez, guerre des chats, on a Djengaka, Voloko, Dindo, Yogo, les baba. Non. Bisso, tu as un orchestre, ils ont structuré que leader vocal, le fer de lance, Mutaza, Wana, il y a un leader. Donc, il y a un leader vocal. Et papa, je suis un leader vocal à Wenge d'ensemble. Si on a un chant, il y a un mono.
papa chez moi vraiment bon. Donc il y a banaki bongo. Yosko yena orchestre ya bongo o tokuta bongo. Ou ngita ngozaye ensemble. Banze mutu ya o badade mpoko ba voko so papa chéri ba lead voko isaïe. Siko so ba pesio ata eteni. Faut sepela. Ba pesio ata trois voko. Ou ba mona ba diba zadio kongo. Zadio kongo biso to sa ba vokate. Vo ba vokote. To sa ba voko na libéré. Mais ça dit congolais nzembo a petit bazo espace ba fonci kalombo nzembo a petit bazo espace alors yo souligne ce au ça Roger vraiment na chant lead ko le patron au monde il faut mieux luka orchestre msusu ya groupe vocal to gospel ba yemba na chorale ya 30 personnes. Non mais pourquoi seulement citer les noms de Jouy Mpia? Pourquoi ça se passe comme ça dans nos ans? C'était ça la question en fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons à mon arrière que vous glorifiez trop le patron de l'orchestre? Oui, communément, je sais que ça se passe beaucoup dans ça se passe comme ça dans plusieurs hein, dans l'orchestre. Mais comme je suis avec vous, nous parlons de Wenge BCBG. Adoui, Jouy, si je te remercie de m'avoir reçu, est-ce que ça t'empêche? Si je te dis merci, si je te dis ma reconnaissance de participer à ton émission, c'est que de bonne guerre. Ce qui n'a aimé en mon mélodie, est-ce qu'elle a adoré? Oh, adore, oui. Et ça n'a pas reconnaissance. Professeur! Ça dit, il y a un débat, chrétien. Pour les musiciens chrétiens, les chrétiens musiciens, ils peuvent être là. Ils peuvent arriver sur la musique à Satan. Mais tant que chrétien peut pasteur à l'amour. Et ça, on aura, au nom de Jésus, je bois du thé. Au nom de Jésus, je vais prendre un jus. Et il est écrit. Non, à Bandapé, ma solo, monsieur, à vie sociale. Bon, ça, tu es mon anzembo. Ayembe le diable. Bonjour, chérie. Est-ce que tu as bien dormi? Oui, chérie. Je reviens de toi. Bon, nous, Solana, chérie, est-ce que ça, le bon, on peut à blasphémer? C'est-à-dire que si on a fait un vécu, si on a mis reconnaissance aux musiciens, chaque musicien est libre. Chanter sur mon nom, ah papa chéri, vraiment, nous avons un peu de temps, 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 nous avons un bleu blanc, nous avons un so a monique a remercié dans la mélodie. Ah, ya ma bête, tu as piqué ça, il y a un peu de temps. Mimi va me dire que les gens qui sont reconnaissants. Mais une fois en dehors de l'orchestre, reconnaissance est libre. Et c'est quand même un peu regrettable. Parce que dernièrement, il y a un musicien, batteur en Abisso, doublé à Séguin. Azep Sanga. Dernièrement, il y a un chanteur qui est dans un studio. Parce qu'en fait, tout le monde est la presse, il fiche mon bruit. Tout ça dans un studio, tout ce qu'il m'a dit, ah, ma grand crâne. Il dit, comment il y a un grand crâne? Il dit, ah, grand crâne. Il a invité tout le monde à pauvre man. Il a dit, mais il était tout le monde. Je suis venu à la maison, mais je suis venu parce que je suis venu. C'est ce qui est profité. Ah, il faut que je suis venu. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Prof, merci. Mais ce qui est venu souvent la maison, c'est qu'il y a automatiquement un dissident. C'est qu'il y a une dissidence. Il y a une dissidence qui est rébellion. Mais c'est qu'il y a une dissidence. Alors, il y a une sombre, il y a une sombre, il y a une peintre. C'est-à-dire que tableau nion c'est comme noir et donc à ta couleur mon voit ta moi éclairci mon dans ta tableau exact. Hein? Heureusement qu'il y a Dieu le Père qui nous justifie. OK. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour la précision. Il y a balle de match, on attend toujours. Balle de match, n'est qu'en entier là-bas. Dis que ça fin prêt. Je dis bien fin prêt. Je regarde la caméra. OK. C'est pas Cisco Moulongo qui va me contredire. Je viens vraiment dans Songa Kiti. C'est pas Excellence Moline de Sakombi, ni le gouverneur de la ville, Gentilin Bakangobila, que je salue très respectueusement, qui est un féru de la bonne musique, qui est un fan de Papa Chéri. Après Taboulay, pour lui, c'est Papa Chéri. Donc, il connaît tous les secrets. Voilà, donc notre disque, il y a BCBG, balle de match, j'ai dit bien, est fin prêt. Vous allez voir, un de ces quatre, fiche Robima. Fiche chez Obima avec une date précise. Date précise. Oh, à venir, mon reproche. Et ça, c'est que, oh, à venir proche. Que Dieu nous prête vie. Que Dieu, à ça, là, que, couvre feu, les gens, mouké, toi, zongé là. Donc, album, Nabino, ils ont déjà fait un prêt. Peut-être janvier, quoi, les gars. Peut-être février. Peut-être début mars. Non, secret à papa chérité, mais en tout cas, tu vois, les pas mars. Okay. Donc, album, Nabino.
Paul Kankouen de Naïbi, qui est l'inamovible, les richissimes, a soutenu à Djobour, à Johannesburg. C'est un ami de très longue date depuis que je suis voyagé en Titero. Il a apprécié mon parce qu'après ça, il a Audi à Sika, dans un temps, à l'époque, il y a Sika, même pas neuf. Donc, Paul Kankouen de, il a posé la même question que à Doyoué. Donc, cette fois-ci, c'est bon. Vous allez consommer alors. Antiba Boachi Biloko Tolina, Wan Antiba. Il est aussi chef d'état-major à MAB. Il y a au Sarante. J'entends ici Lissimo. Le chef d'état-major, l'infatigable Lissimo. La pétition beauté, bonne année, madame et les enfants. C'est bien mignon. Donc, bref. Jidel, c'est tout Jidel. Oh là là. Bon, non, c'est pas là vraiment. Après l'album, peut-être Nicolas Hollanda. Tu regardes sur notre plateau, Oyo. Tout décortiqué. On a ce que comme une phase spéciale promo pour fêter en haut, là, vraiment. Et je vois, on a la même expérience, on a la même champa. Oui, ça se passe comme ça ici. Oui, ça se passe comme ça. Vraiment, nous avons travaillé d'arrache-pied. Okay. Et comment il va, papa chéri? Il va très bien, il est à Paris. Okay. Il est toujours là-bas en train de suivre les derniers détails. Okay. Parce qu'il y a maintenant les plateformes, il faut... la problématique des CD aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Okay. Même si les fans ont accès à la technologie, on a des points de CD, mais bon, ils sont en train de voir comment est-ce qu'on peut faire que les fans aient un contact avec la plateforme. Okay. Ils sont en train de voir tout ça, donc il va très bien. Okay. C'est porte à merveille. Et on parle quasi tous les jours parce que bon... Tango, toujours conclure l'affaire, donc il faut toujours en communication. Ok. Donc, voilà. Et les répétitions, comment ça se passe pour les répétitions? Pour les répétitions, toi, en vacances. Ok. Sauf qu'on a paiement, tu sais. Je comprends. On a donc paiement à la rassure de Palagé Bimi. Vraiment, on a commis une zone de la santé parce que je travaille plus, nous travaillons plus. Ma part, ma période à couvre-feu, oh, il y a des gens qui m'ont niqué des fois. Beaucoup de salangos. Parce que moi, détail, je suis à côté d'afficher mon robot et que n'est pas un ingénieur, vous allez en vite fait avec 8 transferts. Okay. Donc, vous avez besoin de santé. Mais toi, vraiment, un repos, parce que ce repos, parce que nous avons beaucoup travaillé. Okay. Donc, les répétitions vont répondre peut-être dans début février. Okay. Voilà quoi. Ok, voilà. Mais comment contacter Jules Kibens dans des réseaux sociaux? Ben, réseaux sociaux, j'ai un compte Facebook, comme tout le monde, j'ai Instagram, j'ai un numéro de téléphone. Ok. Donc voilà, tout le monde sait voir, même sur YouTube, comment me trouver. Sur Instagram, vous avez écrit Jules Kibens. Ok. Jules Kibens, professeur. Jules Kibens, professeur. Jules Kibens, professeur, sur tapis. Et sur Facebook? De la même chose sur Facebook. Professeur Jules Kibens, sur Facebook, professeur Jules Kibens. Donc okay. Voilà, je suis accessible, le numéro n'en a, bon. Et à 09 90 31 29 96. 09 90. Moi je préfère plus 243. À plus 243 990 31 29 96. Voilà, ouais. Numéro dans un mois là. Donc c'était vraiment un énorme plaisir. Un énorme plaisir. Je suis fan de cette émission. Je suis les cheminements. Je suis comment est-ce que vous avez cravaché, comment est-ce que vous êtes battu pour qu'aujourd'hui vous fassiez parmi les émissions ou les personnes qui explosent, qui ont explosé. Vous serez nombreux. Gaëlor Chor, Alain, l'intouchable à me suivre. Le meilleur vœu Nao. Meilleur vœu à Alain Tatibi Lolo, okay. L'intendant. Guijou Mayel, Anakata Stet, Bill Mobuka, Brunel Lombae. Frère en Christ, le musicien chrétien que je préfère, bonne année Nayo Del Piero Mantouba MP3, le boss Tarsis Boukassa, bonne année, merci pour le soutien, Norman Ngando, mon conseiller à terrain à Pointe-Noire, Maître Guy Luando, les magnanimes, merci pour notre œuvre caritative Nayo, parce que moi je m'occupe aussi des orphelins, okay. Je vais vous passer quelques images. Ceux qui, avec votre permission, vous allez monter dans l'émission. Donc, nous avons mangé avec les orphelins, avec mon épouse. Depuis 6 années, nous occupons des orphelins, nous mangeons avec eux, nous leur dotons de ce dont ils ont besoin. Pas pour nous vanter, mais façon de dire, nous devons partager le peu que nous avons. Babino,
Voilà, nous devons partager. Et merci pour tous ceux qui nous ont soutenus, mon beau frère Chris Mukendi, et tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, à donner un temps, soit peu, sourire, là-bas, non, non. Donc, vraiment, Mukendi, c'est une association ONG. Non, en fait, tous ça, là, en fait, ils ont resto. Tout comme ça, on expire resto du cœur, comme à Paris, où on mange avec les orphelins. Là, ça fait 6 ans. Ok. Bah, tu vas aider en retard sur l'émission, yo. Donc voilà, je salue vraiment encourager moi Sinanga pour la moté, moi Nazana pour la bam. Ok. Donc, bonne de penser à nous les orphelins. Amen. Donc, Nana Omeyaka, la Belle de Belle, Papi Kanza, Top City, Birmingham, Christian Kabassé, les messieurs propres, bonne année. Son Excellence Alain Akwala, les cerveaux bleus. Vous tapez ça dans la phrase. Bon, je peux ça comme elle était. Kasi Mayel, je peux ça comme Bongo. Bon, je peux ça comme Mayel était. Jean-Marie Lorero. Ah, Zénith. Ah, oui. Donc, bonne année, Nabatunioso. RJ Resto. Maître Michel Mandila, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Les défenseurs du droit commun. Alain Fofana. Alain Fofana. Avec ma base Nanga. Nanga Nangembo. Donc, base dans l'Union, so, Papa Cyril, président de base dans l'Union, Kitambo, Sylvain, Sam, donc on a pu se faire un peu trop. On a fait un peu de temps, on a fait un peu de voilà. Ceux qui ont le bien, ils 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 quatrième pouvoir. Merci. Adoyou et merci infiniment. D'avoir jeté ton dévolu sur ma très modeste personne. Et je suis fier de me figurer parmi ceux qui seront inscrits dans les noms, seront inscrits en lettres d'or dans les annales de cette émission. Et j'espère que c'est pas la dernière fois. Non, mais surtout à la sortie, à balle de match. Donc, bon, c'est un thème, Monsieur le Quado. Monsieur le Quado et Zarumba. Ok. Et Zarumba a teinté des RNB. Balobi, oh, vaccination à Corona, Zoya. Mais ngai nazo prôné vaccination contre infidélité. Wow. Nanya kobimi sa vaccin contre infidélité. Te vacciner mi bali yamboko yo. T'as donc créé vaccin infidélité. Eh, donc Zoya, donc bon, mangole pena. Oh, y a mi bali pena, tous mingi moi. Infidèle. Eh, donc mangole Zoya, mais c'est le Quado à Zoya pour vacciner. T'es mélo quand je viens, ça va bien. Yeah. Vous êtes infidèle. Bosse la dame. Naïvité, donc voilà. Non, mais il faut bien la base, il peut être infidèle aussi. T'es même, mi, biso, tu as la base. Ouais. Mi, biso, va noko. Parce que Bible et Loba, tu te sentiras toujours attiré, dominé par ton mari. Allez, tu es comme ça, missionné, tu es bon. Pour moi, si vous biso, tu es droit, tu es testé. Avant, va mettre ton, il faut faire le test. Eh, non, au bande. Ma vaccin, on a un amour. On a un bébé, on a un amour. On a un amour. On a Et à messieurs fidèles. Merci infiniment, merci. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Simpson et c'est l'homme selon mon cœur qui a réalisé cette émission. À Imac, Makengo, les phénomènes. Hein. Merci infiniment à Patrick Balou, l'ingénieur. Merci à droite, Nanga Negawa Fossette, gauche, Nanga Rihanna Domingo, Capriski. De management et très si make-up la crème de crème. Mais à l'heure, on a l'air de voir que l'on a un mot. À Sengagi, à Solagi, à 20, monsieur. Habillé, Kaga, à Fanao, ça va. Paul Kankwende, l'inamovible. L'inamovible. Paul Kankwende. Paul Kankwende. Vous savez, Namoko, Paul Nengo, ça l'a un mot. Mais elle est l'inga, l'Ivan, ça. Non. Grand monsieur. Merci infiniment, MMRV, à toi et à toute la famille. Merci infiniment, prof, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, ou qui vous remercie. Merci infiniment. Aussi tu es déjà. Oui, non, nous sommes ici, on a bien assez long trop. On a vous voyé. En tout cas, merci infiniment. C'est long qu'à la phrase d'Adoya. Mais je aimais les styles, hein. Très bien habillé. Ça sent la classe. Tu trouves? Oui, ça sent la classe. Gloire à Dieu. Merci. Très bien habillé. Merci, ben c'est décédé. Vous aimez aussi le luxe? Wenge BCBG, c'est pas simplement un îlot de protection, de prospérité.
On est BCBG, c'est un creuset aussi d'éducation à l'Ova Roming. Éducation artistique, éducation morale, paix. Donc, aux anamo va pour soka ka biloka mokili. Mais makama motu est dans la carte. Makama motu est dans la carte. On a le bagi. Na yo ka mingi moi intérieur na ngake bruhaha. Bruhaha extérieur. C'est parce que sozo ka libala critique trop. Ça c'est quand ce qu'on appelle le Weston, c'est ça? Personne n'a vu ça. Il y a que toi. Non, ils ont vu ça. Pendant que tu faisais ton entrée. C'est un petit triple. Un petit triple. Oh, ça va, j'aime bien. Un petit triple. Voilà, très bien habillé. Parce que yom te yimsenga ke asola tima be o ya te una wo yamba. Alors. Merci infiniment d'avoir honoré cette Merci émission. Équipe technique. Parce que ça va kombonga mon atanga, mon. OK. Patrick Balou, l'assistance. Patrick Balou. Natanga va kombonga en français. Monsieur Patrick Balou, l'assistant à la réalisation. Merci. Sims et Cell est le réalisateur. Sims et Cell est tiré à quatre épingles. Merci beaucoup. Ok. Imak Makengo, caméraman, prise de vue. Ça veut dire que Imak y est pendant à l'axanga extrait, mais n'a habité. Je suis comme un ange, vraiment. Sauf au moment où on a bimé un petit mot, un adolescent. Donc, Sim. Imak Makengo. Imak Makengo, bien habillé. Okay. Bien habillé. Et mon assistante Kapriski. Kapriski Lokwando Ndoya et vient en a. Lokwakanza. Et puis Jidel Permo, le bal va gens d'idées locaux, vraiment bien les gens d'idées locaux. Kapriski, merci. Merci pour. Ibrahim, il y a un protocole et celui qui a servi Bamenga. Ibrahim Bamenga, merci pour les cocktails. Richard Kabala, mon pote, mon ami, merci. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez réellement aimé cette émission en 2020, parce que bah, lauréat quand même Bazala, qui c'est grâce à la diaspora, mais nous disons hein, véritablement meilleur V et merci à celui qui est le PDG, Richard Kabala, celui qui a le cœur en rose, cette fleur rose au Badnyo, au Balinga Rosalanango, où il y a une épine, mais la rose, où on attend Rosalanango, et ça, là, bien qu'on offre un symbole d'amour. Lui, il a ce cœur, hein, parce qu'il symbolise l'amour, on va bien fait, naé. Le PDG Richard Kabala, que je confirme, est sans concurrent avec Jingle Bar, parce que ça, c'est la classe et la différence, toute tendance confondue, Jingle Bar. Merci également à vous, PDG. Mervé Ababi Mbibos, Lumière de Birmingham, l'horlogeur de Mimi Milolo, hein, Lumière de Birmingham, Mervé, plein de bonnes choses à vous. Djerimbou, le noble hein, de la ville, parce que ce gérant noble est Djerimbou. Un grand merci à toi. Merci également à Islain Ilenda, Mervé. Mervé à la joie, Amado Pichuna, la grande dame. Hein. Moïse Kabundi, parce que tu es le Moïse, tu as tenu le bâton et il y avait récite. Maï Kabouana, qui on l'appelle Moïse Kabundi, Moïse Kabundi, Mervé, à toi, sans oublier le mignon Michel Kabundi. Bon séjour à Kinshasa, Mervé. Mervé à celui qui est beau, à celui qui a de l'argent, celui qui est un boss. Voilà pourquoi on l'appelle patron beau gosse, Dédé Samba. Un grand merci à toi, Teddy Ernest. Mervé à toi, Mervé également au boss Djonga Okula, plein de bonnes choses à toi, plein de bonnes choses Mervé à Pichéri, Isuka l'unique femme d'affaires depuis Paris, Mervé à Gigi, Miaka, Nika la bourgeoise depuis Londres, merci infiniment à sa grandeur spirituelle, le prophète Condé Polo Dominique, ainsi que la grande dame qui l'accompagne toujours, dit femme de valeur, maman Safala Marceline. Mervé à celui qu'on a qu'à dire son nom pour avoir le code de ces beaux pays, la République démocratique du Congo, 00243 Willy Moucheni. Mervé à son excellence honorable Didier Okito Lutundula, l'espoir de la jeunesse
congolaise merveille à Masamba Kinoani, plein de bonnes choses. Hein. Merci également aussi à celle qui est belle. Elle a l'argent. La reine Lyon, Secret Story, BM, Bernadette, Massengou, Naba, confrère, Nanganyonso. Merci infiniment à vous, Merve, à Papi Mboma, hein, l'indoutable. Voilà, Merve, tu es le maire sur le terrain. Merve également à Thierry Kabundi, qui est le maire sur le terrain. Merci infiniment, Top Congo. Merve à Kaki, Akewa, Bandeko, Nyonso, Bozala, toujours, Wana plein. De bonnes choses à vous. C'était Adonio à la présentation. Restez branchés sur B1 Télévision. Nous avons un programme très diversifié. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.